Ouais, voté. Assassin's Creed, Mirage, tout ça, tout ça. J'ai découvert un truc de fou. Déjà, on va prendre une compétence. Moi, je ferais bien le boost de concentration. Ajoute 2 fragments à la jauge. Enfin, le boost de concentration. On a un point, voilà, à mettre. Et surtout, grâce au chat, mais surtout à moi qui ai eu l'intelligence d'écouter le chat, j'ai cru comprendre qu'il fallait que je fasse ça pour avoir... Là, voilà, j'avais un site de fouille à trouver et je trouvais pas la carte dans mon inventaire parce qu'elle était pas dans mon inventaire. Ça était dans détail et c'est ici, il y a une petite icône. Voilà. Il fallait faire ça. Voilà. Des fléchettes avec des petites bouches qui disent solve, solve. Non mais... Ah du coup, je trouve ça mignon en vrai. Du coup, voilà. On peut enfin aller au site de fouille, j'aimerais bien y aller parce que cette quête, je l'ai pas avancée à cause de ça. On va y aller d'abord et après on continuera la quête avec Ali. Ou alors je continue la quête avec Ali maintenant, j'hésite un peu. En vrai, la quête avec Ali, on est juste à côté. Et toujours le téton flamboyant, important. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, la quête avec Ali, elle est juste là. Donc j'avoue, peut-être le faire maintenant. Je veux le Picsou Magazine. De quoi la carte? Ah oui! Ah non mais attends, Royal, tu dis ça? Attends, s'il te plaît. Non, parce que tu trouves que la carte, elle est pourrie. Voilà. Ça, c'est legit. Re-Sam. Ça, c'est legit un coffre que je dois trouver. Et à ça aussi. Là, j'étais presque sûre de l'avoir trouvé, celle-là, mais non. Ça, j'ai pas trouvé, hein. Avec un grison qui fait coucou, mais oui, on se... Non, il se noie pas, il est au bord de l'eau. Non, mais c'est introuvable, ça. C'est introuvable. Quand j'aurais fait toute la carte. Voilà. En tout cas. On va aller voir Ali, en fait. On va aller voir Ali. On est à côté. J'ai validé la recherche de quête machin. On a un coffre à prendre pas très loin. Mais c'est dans une zone tellement ultra gardée, tellement impossible à passer, sauf si je désingue la planète entière et que je trouve un moyen d'exploser des énormes barricades, que je pense que... voilà, c'est là-bas. Que je pense que ça, ce sera dans la quête principale. Mince, il a pas fait le truc de la... Mais attends, il est couillon, normalement il devait utiliser ça. Attendez, on va recommencer, ça m'énerve. Descends, je t'en supplie. Descends, je t'en... Je le déteste, ah. Voilà. Maintenant, tu remontes. Voilà, c'est ça qu'il devait faire. Il n'a pas voulu. Bref. Là, il va sniquer les mains. Et on va aller jusqu'à Ali. On va sûrement tuer quelqu'un ensemble. Et Ali, il a les glandes. Ça, c'est important de le savoir. Du coup, on y va. On a déjà fait toute la pré... la préparation, en fait, de la quête. La préparation de l'assassinat. Et là, on a le gros meurtre. Ah bah voilà, c'est dans la garnison. La garnison, c'est là où je vais chercher le coffre aussi. C'est là-bas. Et qui es-tu pour me dire ce que je peux et ne peux pas faire? L'enjeu dépasse de loin ton orgueil, Wasif. C'est vrai qu'il a la haine, Ali. Assez! Prends garde à ce que tu diras lors de notre prochaine rencontre, gouverneur. Je ne souffrirai pas d'être insulté deux fois. Ce sont Wasif et le gouverneur de Bagdad, Mohamed ibn Abdallah ibn Tahir. Ouais, bah tes souhaits, hein, ça devient compliqué ces noms. Hein. Ce qui n'a pas plu à ce dernier. Le gouverneur de Bagdad... Ils peuvent pas les appeler par des diminutifs? À moins, peut-être, qu'il ne fasse lui aussi partie de l'ordre. Mohamed, je n'y crois pas. Il n'est pas seulement gouverneur, c'est aussi un poète, un lettré, un homme d'esprit. J'espérais m'en faire un allié. C'est ton crush à vous, dude. Espérons que tu as raison. Il y a déjà affaire avec Wasif.
Reste à trouver le moyen d'entrer dans la garnison. L'un des régisseurs sur place m'est loyal. Tu le trouveras près des cuisines. Lorsqu'il apercevra la ceinture rouge, il t'aidera. J'ai plus de ceinture rouge. Je l'éteins. Retrouver Béchi et libérer les autres rebelles retenus dans la prison. Je te laisse, Wasif. Soldat. Oh. Tu te drapes dans les couleurs. Petite cinématique. Pour enlever et tuer à loisir. Pas très tu fluide. Tu es le fléau de tout le pays. Et ces terres sont rouges du sang de ceux que tu as massacrés. Simplement parce qu'ils voulaient la liberté. Ou que tu craignais qu'ils la désirent. Tu te crois fermement à l'abri. Entouré de tous tes soldats. Mais nous allons attaquer la garnison. Libérer Béchi. Et mettre fin à ton règne de terreur. Par contre, hein, les assassins, leurs motivations, elles sont bien mignonnes, mais ça reste des putains de tueurs en vrai, hein. Assassiner Al-Mahdi Kikikwar. Al-Mahdi Kikikwar, le dirigeant de l'ordre de... à l'origine des exécutions de rebelles de Shakira, est en réalité l'impitoyable Wasif Al-Turki. Wasif manipule en coulisses le trône, décidant de l'ascension et de la chute des califes. Il mène sa sanglante campagne depuis la grande garnison, où il retient actuellement Béchi, le chef rebelle. Cherchez les moyens de vous infiltrer dans la grande garnison. Oui, comme d'hab, on va faire diversion. Ou alors... Difficile d'escalader de tels murs. Ou alors... Ouais, voilà, c'est compliqué. Passage. Oh. Va, Enkidu. Oui, bah mon aigle, il va se faire buter, comme d'hab. Hein. À chaque fois, tu me dis de l'appeler, en fait, au final, je l'appelle et il meurt. Tu veux bien te tourner, s'il te plaît? Merci, mon grand. Voilà! Pardon, Enkidu. J'ai manqué de vigilance. À chaque fois, ça me sert à rien. Fiche le camp, maintenant. Trouver un moyen d'entrée, bah, ça va être sympa. Pourquoi moi, alors qu'il y a plein d'autres humains, hein? Vous êtes pas obligé juste de vous focaliser sur moi? Les murs de la garnison sont plus troués que des haillons. Je vous écoute. Comme un leurre pour trouver les snipers. Ouais, franchement, ça me dégoûte à chaque fois que j'utilise. Les murailles de la garnison. À quoi bon avoir des murs si l'on voit à travers? Quoi? Tu veux parler des travaux? Il y a des gardes partout. De toute façon, personne ne peut entrer ou sortir sans se faire attraper. Il y a peut-être un passage le long de la muraille nord. Je devrais aller nord. Ils sont même pas dit nord. Ah. Ce serait plutôt ouais celle-là. Je vais au nord. Passe ton chemin. Seul entre ici les gens en mission. C'est des travaux ça? Attendez, il y a un chemin là-bas. C'est pas du tout au nord. Est-ce pas du tout au nord, hein? On ne veut pas de toi ici. Oui, je sais, ça va. Arrêtez de me... Pourquoi? Je me sens légèrement ostracisé. Pas sympa. Non. Ah, mais faut que je passe ici? Ah ouais, non, mais c'est coton un peu, hein? L'autre nord. Tu n'es pas le bienvenu. Monsieur. Ok. Faudra aussi bien pécho le coffre, hein. J'ai même pas fait de stock, mais bon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut normalement. Ah!
Voilà par où je pourrais essayer d'entrer. Oui, bah, merci. J'avais remarqué, enfin. Ali a parlé d'un régisseur qui lui était loyal. Un régisseur. Je devrais pouvoir le trouver du côté des cuisines. Comment je sais où sont les cuisines? On me donne même pas de map des lieux. C'est ça, les cuisines? C'est ça, là? C'est ce vieux campement de nul? Oh là là, la cuisine de Pégu, là. Qui dit clé, dit serrure. Hey, par ici. Je dois trouver une porte. Toi, tu es l'homme d'Ali? J'ai vu ton étoffe rouge. Nous devons faire vite. Pas très rouge, hein. La garnison intérieure. Je peux te faire rentrer par le côté, mais on ne doit pas nous voir ensemble. Hey, il fait du pain. Suis-moi à bonne distance et reste hors de vue. Oui, j'ai compris. Dis-moi quand tu seras prêt. Ouais, go. On peut y aller. Qui dit clé, dit serrure. Pour éviter les soupçons. Je dois toi, trouver. Suis-moi à distance et reste caché. Essaie de rester dans l'ombre surtout. Oui, d'accord. Tu as entendu ces hurlements? On aurait dit des fantômes. Des hurlements de fantômes? La prison est hantée. Ce qui s'y passe est de nature, disons, maléfique. On dit que c'est pareil à la porte de Damas. Mieux vaut ne pas savoir. J'espère qu'ils vont bientôt réparer les murs. Oula! Déjà, les jamais je passe là, moi. Il est où mon mate? Le seigneur Wassif est de retour. Alors soyez vigilants en patrouille. Faites toute la ronde jusqu'aux travaux. Et si j'en surprends à tricher, ça leur coûtera une semaine de solde et un mois de corvée de latrine. Hé hey, ah, à la mort. Nickel. C'est parfait. Il fait quoi le régisseur? Tout a l'air d'être calme, l'ami, n'est-ce pas? Je ne suis pas ton ami. Oh. Plutôt t'occuper de tes affaires. Oh, comment il l'a rembarré? On a fait la moitié du chemin. Pense bien là où t'es caché. Mais il chuchote vraiment là, tu parles vachement fort. Te débrouiller seul. Ah, cool ça. J'avais pas fait le stock. Voici la caserne. Les quartiers de Wassif sont probablement à l'intérieur, un peu plus loin. Ça le problème aussi, c'est que être discrète c'est B, et descendre c'est aussi B. Par conséquent, il y a parfois des sous, quoi. Quoi, c'est qui me repère? What? Ah, monte! Toi, attends un peu. Monte! C'est bien! Je demande de l'aide! Ils m'ont vu! Oh non! Je suis dans la sauce! Merde. Mince, c'était un PNJ. Oh, c'était pas un méchant. Cinématique! J'ai été sauvé par la cinématique! L'horizon! Le seigneur arrive et ne tolérera aucun manquement! Qu'est-ce qu'il fait dans la flotte? C'est mieux. Le poids est bon. L'équilibre aussi. Mais la poignée est un peu serrée. Voyons maintenant ce que donne le tranchant. Celui qui prend les armes contre nous n'est pas des nôtres. Tu as choisi le mauvais camp, mon ami. Le jugement appartient à Allah, pas à toi. Bon. Ouais, il est mort. Cela accroche toujours un peu.
Allez approfondir les rainures pour le sang. Il est temps d'abattre ce chien. Ok. Ok. Éliminer les gardes. Ah, j'y vais en mode YOLO. Les corbeaux vont se régaler. Avec eux, ça m'étonne. Celui qui est contre nous n'est pas avec nous. Ouais, philosophe tiers en vrai. Il faut libérer les autres. Ensuite, tu pourras faire sortir tes hommes. Moi, je m'occuperai de Wasif. Et t'es allé chercher le coffre ? Sortir ? Ne dis pas de bêtises, ça ne fait que commencer. Bisous Didi Belle, très bonne nuit. Nous allons réduire cet endroit en cendres. Merci pour ton message, des gros bisous. Ouais, je remets mon bas. Ça fait du bruit. C'est en just rubbing. Bon, le coffre. Parce que moi, j'ai pas oublié. Hein. Oh, elle est juste là. Oh, j'y vais tellement. J'y veux tout le monde. C'est officiel. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Oh, mon Bloody, comment tu sens pas. Ça a mieux tes douleurs, Bloody. Au fait, hier, c'était pas la joie. Voilà le gardien chef. Ah. Oh putain, j'y vais en mode YOLO. Il n'y a plus de danger. Vol à ta guise, Enkidu. Il n'y a plus de danger. Je vais te démembrer lentement. Fini pour toi. Oh, j'ai fait peut-être. Je sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir. C'est stupide. En vrai, il est où le coffre? Oh non, il est là! Ah, il est pas du tout. C'est toi qu'un peu. Ça ira jamais mieux? Ah ouais? C'est vraiment pas soignable? Ou améliorable, plutôt. Ça ne dure pas. Ah, le coffre, il doit être là-bas. Ali veut libérer les rebelles détenus. Bon, je vais peut-être faire ça d'abord. Et je pense qu'après, on va se diriger vers la sortie. Et là, je pourrais tenter un truc. Je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire repérer. Ah oui, j'allais pas. C'est pas du tout au bon endroit que je vais. Pourquoi y'a pas l'image? Eh, mes bots ils vont plus du tout, hein. Y'a plus rien qui fonctionne. Ah, c'est toi, j'ai failli te buter, hein. Tu m'attendais pour libérer tes potes? C'est dangereux qu'il en a l'air. Gardien en chef. Ah oui, d'accord. Montre-moi. Il est où? Bon, j'ai tué le sniper. Ok.
Ah, ça me rapproche du coffre un peu, hein. Un peu. Partiellement. Genre mon chirurgien et mon médecin. Ok. Tout le mois de septembre, ça a été un enfer. Ouais, tu nous en as souvent... Tu nous en as pas mal parlé et j'imagine que... Et j'imagine que pour que parfois ça t'empêche de dormir et tout, c'est que ça doit être un peu fort, quoi. Ça doit être un peu balèze, la douleur, hein. On n'a plus les images. Ah merde! Ah mais... Ah oui, il y a le son, mais pas les images. Et oui, parce que ça buguait, je les avais enlevés. Je vais les remettre. Mais non, mais le chat, il y a eu, pourtant. Comment ça... Attends, comment ça se fait que le chat, on l'a vu? Et pas les autres? Je comprends pas. C'est bon, on a vu un peu de Monsieur Poil. Bah faut qu'elle y soit déjà sur le moyen d'améliorer ta situation, Bloody, et pour le taf, tu verras que dans un second temps, enfin bien plus tard quoi, c'est pas la prio. Bon. Ah, il y avait du monde. Ah, j'avais pas vu. Oh, j'ai voulu exploser des trucs, mais j'ai pas réussi. Ah, j'avais pas du tout vu, mais je fais jamais ma vision de l'aigle, moi. Un saut de puce. Bon, les puces ça saute bien. Pas un saut d'éléphant. Ça peut pas vraiment sauter un éléphant, ça a pas de genoux. Bah si, ça a des genoux. C'est quoi qui peut pas sauter? Qu'est-ce que je raconte, moi? Je pète un câble. Qu'est-ce que je raconte? J'ai vraiment de la merde, mais arrête. Un level assez colossal. Je vais t'ouvrir. Non. La clé des cellules. Maintenant, libérez les autres. Bah j'aimerais bien, mais je peux pas passer. Ah oui, non mais j'essaye. Quitter le conflit pour interagir. Bah j'attends. Hello Gwenno. Oh, tu ne survivras pas. Si, il peut, mais pas très haut. Non, mais je crois qu'il peut... En fait, l'éléphant... Il peut plus marcher vite que vraiment courir, je crois. Et il peut pas vraiment sauter. Salut Gwenno, comment tu vas-tu? Qu'est-ce que tu racontes de beau tu-tu-tu? Mais c'est bon, on est quitté le conflit. Oh là là. Ah non, elle est pas finie. Oh non, mais il sert pas en boucle. Oh là là, vas-y. Ouais. Paye pour tes péchés. Mais j'ai paré. Ah, j'avais pas de quoi parer. C'est bon? Bah, je sais pas quoi faire, hein. Faut que Ali soit plus en conflit, je pense. Mais il a toujours la soif de sang. Tu viens, Ali?
Oh, elle saute pas car elle a pas besoin de sauter. Bah ça dépend. Non mais en vrai hein, je crois que ça peut pas vraiment sauter. Physiquement. Mais merde, oh ça me gonfle, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Fini la partie 3 de Lupin sur Netflix. Et j'ai bien abîmé mon écran de tel en faisant tomber. Ah putain, oh merde. T'as pas de verre trempé? Oh comment ça va? Oh ça va, on avance pas mal dans Assassin's Creed, mais là je comprends pas ce qu'il faut que je fasse pour ne plus être en conflit, ça commence à me gonfler. Et sinon, rende spécial. Moi j'ai pas réussi à aller plus loin que la saison 1, Lupin. Et c'est déjà pas mal. Bon, il est où? Faut que je fasse quoi? Faut que je lui parle? Peut-être que je fasse Enkidu. Ah, faut peut-être que je monte pour tuer des gens en haut. Mais c'est lourd en vrai. Créer des cellules des rebelles acquises. Ouvrir les cellules. Mais je sais pas, peut-être que je les ouvre par là. Mais bon, j'avais vu de loin que c'était pas des portes, donc... Bah, je comprends pas. Je vois pas comment quitter le conflit. Lui, il est toujours en position un peu de combat, machin. Peut-être qu'il faut que je fasse un truc avec lui, genre, je vais essayer de choper les gardes qu'il y a dans le coin. Il sera content. On va y arriver, allez. D'accord. Allez, venez. Attends un peu. Allez. Peut-être que c'est ça, ils sont trop proches, hein. Cette exécutée. Ah, là il a l'air de revenir. Ah, c'est bon, il range son épée. Là c'est bon normalement. Oui. On a réussi. Tu as notre gratitude. Ali va nous mener à la vengeance. Pour péché. Les fonds ne sautent pas. Ah, t'as bien le lien. Merci. Oh, mais c'est une vidéo, c'est pas un article. Parlez. C'est bon. Merci pour le GG, hein. Pas d'écran de protection. Ah, il faut. Dites à Ali de recouper. Allez. Elle est buggée cette mission un peu, non? Ah, c'est parce que je suis toujours repérée parce qu'il y a un ennemi là-bas. Je vais voir si je peux le buter. Putain, il est mal foutu. C'est bon, on va pouvoir parler à Ali. Bon, j'aime bien le jeu. Sinon, je l'aurais pas continué de toute façon. Et après, apparemment, il est pas très long, donc ça me va très bien. Bon, voilà. D'ailleurs, on est plutôt vers la fin du jeu, là. Je sais pas à combien d'heures de la fin, mais on est plus vers la fin que vers le début, quoi. Ça, c'est clair. Et je trouverai le moyen d'entrer dans ces quartiers lorsqu'il sera seul. Très bien. Je vais allumer le fanal. Tâche de ne pas oublier notre accord. Je m'en souviens très bien. J'ai oublié, moi. un peu oublié, moi. Euh,
Le coffre. Moi, je trouve ça en tête. Hein. Ça, je pars pas sans le coffre, moi. Quoi ? Donne-moi la force ! Tu vas souffrir ! Ah, mince ! Oh, j'ai un peu, ouais, j'ai un peu possiblement allumé le fanal. Possiblement un peu la flemme de d'être discrète là. Mais bon, il y a tellement de gardes aussi. On est dans une, on est dans une caverne, genre, ou un truc dans le genre. Faut que j'aille là-bas, je peux passer par là, là, là. Ok. On y va. Porte barricadée. Bah, je m'en fous. Par contre, je vais peut-être la débarricader. C'est quoi l'accord? C'était genre laisser la possibilité à Lee de tout foirer et de faire un truc qui me mettra en danger. Mais c'est ça, Lee, il a complètement ce tempérament là. On sait très bien qu'il va foutre le bordel. On le sait. Pas besoin d'accord, de contrat. Je l'ai compris. Je passe par où, moi hein? Je passe par là. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça fait réfléchir, merci Lox pour ces questions. Du de l'éléphant? Bah je t'en prie, je t'en supplie même. Du coup, ça c'est pour faire sortir le mec qu'on veut buter. J'aurais pas dit mieux. Le téton magistral. Ouvrez la trappe des quartiers de Oasis. Ah bah c'est là-bas où je dois. C'est là-bas où il y a le coffre? Non. Ah zut. Oh, il me faut le coffre avant. Hein. Il me faut le coffre avant et c'est le Dawa, alors je vais essayer de l'avoir. Maintenant, parce que une fois qu'on aura tué, il y aura peut-être une cinématique, un truc, et du coup, on finira par sortir automatiquement de l'endroit. Je veux pas, parce que je veux le coffre d'abord. Ouais, GG. Il s'est bien rattrapé là, c'est rare. Ah, dommage, j'étais pas loin. Hein. J'ai rien. Le capitaine va me tuer. Ah oui, cette maudite clé. Il a hier une clé? Ce serait-il pas ça? Pas du tout. Le couteau de lancer, c'est bien. Par contre, j'aime bien comment tout le monde est ultra chill alors qu'il y a l'alerte qui est donnée quand même. Ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde. Je note. I am noting.
Bon, je vais essayer d'y aller directos, même si je pense qu'effectivement j'aurai besoin d'une clé. Non, mais tu devais. Tu devais t'accrocher. Tu devais t'accrocher. Oh, quel chien-lit. Ah, et puis cette bruit de clash, il va pas du tout me faire péter un câble, ça c'est bien. Non, mais j'arrive pas du tout à monter en fait. Quoi ? Tu vas crever ! Allez, allez, monte, s'il te plaît. Merci. Entre-toi. Il y a la cloche qui... Mais il y avait déjà une cloche, mais j'y crois pas. Ah merde. Je suis un peu dans la sauce, je crois. J'avais tué plein de monde. Non bah le coffre, je peux pas maintenant, hein, je pense. Hein. Bon, vous savez quoi Oh, ça me saoule, y'a rien que je fais qui fonctionne. Sors Cyril, ou sors Emric. Merci. Merci Cyril. Une chill alerte. Ouais, un peu hein. Là, y'a la vraie alerte là. Là, je suis dans la sauce là. Oh, tu m'agaces. Passe. Oh, j'ai la clé. J'ai la clé de la caserne. Tiens, on vient viser, mais j'y arrive pas, ça veut pas. Je suis coincé. Ça a dû faire mal. Non mais vraiment, au cac. L'arc au cac. Oh, un coffre. Attends. Dieu est avec. Où est-ce que... Je suis coincé. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je tiens. Ah, on est mort. Allez, cours. C'est laborieux, ça se passe bien? Non, pas trop. Oh punaise, il y a une échelle là-bas. Je l'avais pas vu. Ça m'intéresse, ça. Allez, mais la ferme. Là, je te tiens. Oh. Non, tu es... Quoi, t'as si tué mon aigle? Attard. Ah, c'est ici! Quelle discrétion! Je fais ce que je peux, hein! Non, mais c'est bon, ils sont 1440 dans cette putain de caserne et il y avait déjà l'alerte de sonner avant même que je la ressonne. Oui, c'est bizarre, il y a deux alertes. Autre chose pour laquelle je n'y suis pour rien. Merde! Un joli coup! Tellement prévisible! Une technique interne. Il va en falloir plus que ça. Ah! Il est là. Ah, il y a un truc qui m'a gêné, qu'est-ce que c'était? Avec du chevalier. Un chevalier fermé. Tu me laisseras pas m'enfuir, tu vas faire quoi? Parce que là, tout de suite, je vais m'enfuir.
J'en peux plus des cloches. Je vais faire la quête, je vous promets. J'y vais de ce pas. Alors. C'est par où la quête? C'est par là. Je peux descendre par là? Nickel. Ah c'est bon, ça a marché! Je vais attendre 2 secondes. Mais de toute façon, il y aura quand même la cloche parce que de toute façon, je suis poursuivie de base parce que je me suis infiltrée à cause d'une quête principale et je dois faire un objectif pas loin. Donc j'en ai profité pour pécho le coffre. Ne dois pas filer. Allez-y, non, alerte, on s'assemble. Oh non, allez, il se passe quelque chose. Tu n'as nulle part où te cacher. Ah eh oui, chien, tu vas saigner. Tu ne peux pas. Là-bas. Non, je retourne. J'avais pas le choix en fait, je l'ai tué parce qu'il allait me... Il allait utiliser son épée, j'ai vu le début d'animation, il a utilisé son épée pour me taper dedans. Là-bas. Oh, ils m'ont vu. Comment ont-ils fait? Attends, attends, je mange. Voilà, ça va mieux. Attends, je mange. Attends, je mange, ça va mieux. Les corbeaux vont se régaler. Les copains, ils m'attaquent. Aidez-moi. Ils sont où? Ah ouais, non, c'est vrai, ils sont partis ailleurs, mes potes. Ouais, c'est vrai. Moi, je dois monter et choper la trappe. Ouais, c'est ça. Faut que je chope la trappe des quartiers du seigneur. Wathim. Lui, la trappe. Ouais, c'est sportif, hein. Ouh. Oh, cette cloche. Ouvrir la trappe. Mais comment je rentre déjà dans l'endroit où il y a la trappe? Après, j'ai trouvé une clé, remarque. Ah, oh, c'est bon. Hey, mais qu'est-ce que... Tu vas crever. Mince, je pensais pouvoir l'achever. Cinématique. Arrête de rentrer sortir, ça rime à rien. Oui, enfin ça dépend. Mais là, en fait, j'essayais de ressortir de la paille par un autre endroit, par un autre côté pour éviter de faire le tour. Et il voulait pas. Il sortait par là où j'étais rentrée tout le temps. J'aime bien comment il va tout doucement. J'aime bien comment il est super silencieux, c'est incroyable. Raison, fais pas trop de bruit, vas-y. Ouais, vous avez la rêve de rentrer et sortir. You get the ref. Elle était pas facile. Elle demande pas. Nous sommes encerclés. Silence. Ah. Apporte sans vite. Désolé. Ces rebelles ont attaqué la garnison. Demande des renforts. Ferme la lettre. Quand la porte sera brisée, trouve le moyen de la porter au calife. Sur ta vie, jure-le. Sur ma vie. Hey. Allez, ça pourrait être dangereux. Calme et silencieux. Même pris au piège. Almardi. Tous mes kills sont chaotiques. Oh. Et à l'arrache, j'essaye, hein. Une plume. Une plume. C'est pas ironique. C'est toi, Ronic. Vient-elle alors d'un aigle tombé du ciel? Un symbole de liberté. Un mot que tu n'as pas souvent employé. Oh, chaud. Et que tu ne prononceras jamais plus.
Excusez-moi, ils m'agacent un peu avec leur morale. Alors c'est donc ça, la liberté. Pourtant... La liberté de crever ! Je ne vois aucune issue. Il n'a pas fini sa phrase. Bah, il meurt, de toute façon. Finira sa phrase dans... en enfer. Je sais pas... Je sais pas s'il y a l'enfer chez les musulmans. J'imagine. Un équivalent, quoi. Oui, il y a le chétan, ouais, ils en ont parlé. Mais du coup, voilà. Où est-ce qu'il habite? Genre, soit en enfer, soit à Roubaix. Donc, il est, voilà, il est un peu hanté par des visions d'un djinn qui lui veut du mal. Et on le voyait plus trop, et là, on l'a revu. Voilà. C'est un plonas si on connaît un peu Roubaix. Ah, il y avait d'autres villes que j'aurais pu citer. Ouais, je savais qu'il y aurait une cinématique qui me ferait quitter le truc. Il va falloir se battre pour sortir. Notre révolution commence ici! Mais j'ai chopé le coffre, alors je m'en fous! Let's go! Ah! Bouge, 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 bouge! Ok. Voilà qui est un bon début. Pourquoi se bat-il? Le seigneur de guerre est mort. Je comprends rien à ce qui se passe, mais je vais prendre des coups de partout. Bien ces lâches se font tuer dans le dos. Je voilà. C'est terminé. Allons-nous-en d'ici. Voilà, ma petite lame, elle est trop bien. Il y avait des trucs à loot. C'est ce que tu appelles la liberté. Sortir d'une garnison, les armes à la main. Je savais qu'elle allait tout faire foirer, je l'avais dit, hein. Aurait-il peur? Allez, non. Bon, en vrai... Un loyal assassinat, c'est-à-dire un assassinat où la personne peut pas se défendre, Basim, c'est ça que tu veux dire? Tu préfères un loyal assassinat à un combat? Putain, mais oh, en vrai, la morale de cet assassin n'a aucune morale. Oh, c'est un petit con. Genre, Basim, il est littéralement en train de râler, là, que plutôt que de tuer les gens sans leur laisser la possibilité de se défendre, on se bat. Et du coup ça lui plaît pas? Il trouve ça pas loyal, genre? Mais il est incre, hein. Mérite des totards, hein. Mérite des mandales, hein. On a réussi. Mais de justice. Oh non, mais j'ai plus de vie. Oh, le lance-flamme. Mince. Je fais n'importe quoi. Je vais faire ça, tiens. Tu combats comme... Est-ce que tu veux bien te mettre? J'aurais besoin d'aide ici. Nous sommes les derniers. Alors repartons par où nous sommes arrivés. Oh non, mon ami. Nous allons sortir par la grande porte. Continuez. Nous y sommes presque. En même temps, c'est un assassin, il a la morale de son ordre. Ouais, mais il faisait trop genre... oui, je suis libre, j'ai... machin, on se soutient... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom, voilà. Je trouvais que l'un de ceux qui avait les meilleures motivations dans ce que j'ai fait, c'était quand même Ezio. Parce qu'il se fait assassiner toute sa famille, quoi. Et qu'en plus, de base, c'est un personnage qui a une morale assez balbutiante.
j'aimais bien ce perso, il était, il avait un petit, petite complexité. Ce sera la liberté ou la mort. Nini. Dieu est grand. Il est autre Dieu que Dieu. Dieu est grand. Il est autre Dieu que Dieu. Le Dieu du Dieu. Il est autre Dieu que Dieu. Altaïr, il était plus basique. Genre, il avait vécu dans l'ordre toujours et voilà quoi. Mais après, je ne connais pas. Je connais pas le héros de Black Flag. Ah merde, faut que j'enlève les affiches. Je connais pas le héros de Black Flag. Je connais très mal ceux de Odyssée. Je connais pas non plus le héros d'origine, donc. Donc voilà. Altaïr était assez. Pour moi, il était assez basique, mais ça faisait le job parce qu'on découvrait toute une licence et c'était bien d'avoir un personnage. Sans avoir trop besoin d'introduire le personnage, en fait. Je pense que c'était plus simple. Basiquement, il était. Il avait toujours vécu. Il avait toujours vécu plus ou moins dans l'ordre. Il suivait les préceptes de son maître parce qu'il avait un peu toujours grandi dedans. Et il fait un truc qui lui pète à la gueule et du coup il est obligé de. Il est obligé de repartir en tant que novice assassin. Voilà. Et complètement. Mais voilà, c'était le premier quoi. Alors Ezio, il avait vraiment des. Voilà, les motivations, on pouvait que les comprendre en tant que joueur. Et en plus, c'était un personnage qui avait ce côté un peu beau parleur, machin. Ça changeait un peu. Syndicate. Ouais, par exemple, je connais pas non plus celui-là. Habitants, vos repas sont-ils fades et insipides? Mangez du sucre pour un plaisir. C'est là-bas. Allez! Je suis fatiguant. Bon, ça s'est super mal passé. On s'en doutait, hein. Descends de la rampe. Insu. Quand on parle du chat, on en voit la queue. Et le voici parmi nous. Pas de geste brusque, ami des félins. Si tu ne veux pas que ce chat vienne t'étriper. Tu as tenu parole. Wasif est mort. Et tous ceux qui... Il a des cheveux. Ouais, moi j'aime bien ses cheveux comme ça. Dommage que nous n'ayons pas pu... Sa beubare est pas ouf, mais ses cheveux. Son courage me plaisait. On compte déjà son histoire dans tout Bagdad. Mort, il libérera plus de gens qu'il ne l'a fait de son vivant. La liberté a un prix. La question est de savoir si on est prêt à le payer. Et je fais tout court en début en bordel. Ouais, ouais, c'est vrai, c'était pas mal. J'ai beaucoup à faire. J'aimerais vous souhaiter à tous deux la paix. Mais je la sais qu'il est absent de votre avenir. Oh, et du mien. Mais je le déteste. Kaline a raison. Plus rien n'arrêtera sa révolte à présent. Peut-être est-ce mieux ainsi. Non, il est pas très charismatique. Je suis assez d'accord. À la garnison, nous avons vu Wasif se disputer avec le gouverneur, Mohamed Ibn Tahir. Mohamed, c'est étrange. Je vais garder un œil sur lui. Raka Lahika. Il n'est pas très charismatique, mais il a un téton. Ok. C'est du maquillage. Ah oui, il a aussi du maquillage, oui. Mais il a aussi du creux au niveau des... Il a aussi un creux au niveau des yeux. Hein. On le voit, parce qu'on le voit aussi sur les côtés. Mais oui, il a aussi du noir sous les yeux. Tout à fait. Ah, bon, tant pis. Hein.
Un genre de quoi? Je connais pas ce mot. Un genre de col? De col? C'est quoi le col? Toi, tu dois m'améliorer un outil, je crois. Bonjour. Peux-tu améliorer... Non, je vais économiser pour les autres. Ah bah non, j'ai pas besoin. Bon bah je vais pas économiser pour les autres. Explosion en continu attirant. Ah, ça peut être pas mal. Réduction de la défense des cibles après explosion, transformation. Ah, un engin incendiaire, ça m'intéresse de ouf. Rien d'autre? S'il t'est pot... Tiens. Attends, je pouvais en débloquer un? Non. C'est sûr. Mais on peut pas faire B pour partir, ça m'agace. Corner qu'on utilise pour se maquiller les paupières. Alors ça dépend, c'est soit soit du crayon, soit de l'eyeliner, soit du fard à paupières. Ça dépend ce que c'est. Mascara, c'est pour les cils. Ouais, un genre d'eyeliner, ouais, tout à fait. Ou alors, ça peut être en vrai du mascara, genre juste là. Mais ça n'aura pas de sens. Machin, tu surlignes. Ouais, bah c'est peut-être du voilà, hein. Crayon noir, classico, voilà. Votre avis, crayon noir ou... Ça s'appelle le col. Ah ouais, un crayon noir. Je veux pas. Il y en a tout autour des yeux. Bref, on a 3 points de compétences, mais j'économise un peu. Enfin, je vais voir si je peux les utiliser, mais je crois pas. Ah si, oh bah merde, je peux améliorer mes outils. Je vais faire récupération de couteau en vrai pour le moment, j'en ai trop besoin. Ça sert à rien de l'améliorer parce que Enkidu, je peux jamais sortir. Ça dégoûte. Et du coup, on a une map. Ah oui, j'ai une nouvelle épée. Chaque cinquième coup, on empoisonne l'ennemi. Oh, c'est bien ça en vrai. Mais j'ai pas de quoi l'améliorer. Je l'équiperai quand j'aurai de quoi l'améliorer. Oh punaise, j'ai de quoi améliorer mon arme. Faudrait que j'aille chez un machin là, un forgeron. Mais avant, on va regarder. Ouais, des trucs associés, non mais c'est fou. On va faire celle-là. Localiser. Petite capture d'écran, s'il faut pas déconner. Même si j'imagine que c'est bien placé, oui, d'accord, ouais, ça va, c'est pas compliqué. Bah, c'est genre là. Machin pour faire l'œil de biche. Bah souvent nous ce qu'on utilise c'est de l'eyeliner pour ça. A l'origine c'était utilisé par les bêtements pour te protéger des insectes d'infection et des reflets du soleil. Ouais j'avais entendu qu'ils utilisaient maquillage noir pour le soleil. Mais j'avais pas entendu le nom. Je croyais que c'était genre... Pas de... Genre de la suie. Aucun doute que ça va finir par parler de bite. Pourquoi? C'est toi, hein? C'est bien la liner. Si c'est ce que je pense, ce
ce que tu décris, c'est plus une sorte de crayon ou un truc comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait... Faudrait que je me renseigne. Oh, il est pas debout, alors je peux pas le prendre dans mes bras. Liner, c'est pas un crayon noir? Non, eyeliner, c'est plus liquide. Et ça s'étale généralement avec un pinceau. Et ça se met davantage, c'est pas obligatoire, ça se met davantage sur le dessus de l'œil. Là où le crayon, ça se met davantage sur le... Bon, non, ça peut se mettre partout. Mais ça fera pas la même texture ni la même intensité de noir. Quand c'est un... Tu vois, quand c'est un trait très bien fait, qui dépasse pas du tout, qui... Voilà, un trait très précis, c'est forcément de l'eyeliner. Parce que bah, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus intense comme couleur. Voilà, un tuto. Oh non, moi je sais pas bien moi, me maquiller en vrai. Je sais faire la job, mais c'est pas... C'est pas... Voilà, je fais ça à ma manière. C'est compliqué, je dois réfléchir, ça fait saigner du nez. Pas compliqué, c'est juste du maquillage en fait. Je vous garantis que quand tu te renseignes en art plastique, c'est bien plus compliqué. Hein. Il y a juste des textures différentes, c'est tout. Voilà, ça je l'avais pas fait. Allez. C'est fou quand même, c'est un peu fatigant de savoir que toutes mes actions, je dois toujours les répéter. Sortir d'un truc, je dois le faire plusieurs fois. Commencer à monter quelque part ou alors sauter d'un lieu à un autre, faut que je fasse l'interaction plusieurs fois. C'est tout comme ça, quand je veux qu'il descende de quelque part, faut que je fasse aussi l'action plusieurs fois, c'est... C'est fou. C'est un peu lourd. J'avais pas la sensation que c'était comme ça sur l'ancien Assassin's Creed, mais je me trompe peut-être. Nous les mecs, une crème, un peu de gel et ça roule. Oh bah, il y a plein de mecs qui n'ont ni l'un ni l'autre. Hein. En réalité. Et puis vous avez l'entretien de la barbe. Qui demande aussi un certain savoir, par exemple. Au niveau des rasoirs, au niveau de comment pas se couper, au niveau de comment essayer de faire un truc à peu près propre. C'est comparable, hein. C'est comparable au maquillage. Hein. Moi, perso, je serais incapable de raser un mec. Hein. Enfin, si je devais le faire, imaginons, je saurais pas comment m'y prendre. J'aurais plus l'épiler, mais moins le raser. En même temps, se raser soi. Et raser quelqu'un, ça doit être particulier. J'aurais pas confiance, tu m'étonnes. Tu sais te raser les jambes, c'est pareil, je me rase pas les jambes. Moi, je m'épile, moi. Moi, je m'épile depuis l'âge de 13 ans. C'est très chiant. Ça fait mal. Même au bout de... Même au bout de tant d'années. Non, j'aurais trop peur de m'abîmer les jambes avec un rasoir. Genre de me faire une cicatrice, des trucs comme ça. Mais moi, en plus, je marque très vite, donc... J'ai jamais tenté le rasage, c'est horrible quand ça pousse. Une seule fois. Et c'était pas sur les jambes. C'était sous les bras. Et effectivement, c'est horrible. Du coup, je fais non. Enfin, c'est horrible. C'est très désagréable. Ça faisait une texture... voilà, c'était irritant, machin. Donc j'ai fait, bah non. Qu'est-ce qu'il mijote ? Non. Donc voilà. Moi, épilation. Pars, et vite. Hein ? Qu'est-ce qui te prend ? Est-ce qu'il me prend rien du tout? Faut que je cherche des infos, du coup c'est ici le site de fouille. Alors, on y est où? On fait quoi? Il y a plein de coffres, mais c'est des coffres à la con.
Il y a quelqu'un là-bas. Des mercenaires gardent les lieux. On a dû trouver quelque chose d'important. Possible de s'épiler sous les bras, ça doit être un enfer. Bah oui, bien sûr, ça fait mal, c'est tout. D'une manière ou d'une autre. C'est toi le chef de cette bande de chiens de guerre endurcis. J'ai peur. Je croyais que j'allais me faire taper. Pas autant qu'on aimerait l'être, je peux te le dire. Que dites-vous d'un petit travail pour moi ? Oui, il y a le laser maintenant. Faut que je me renseigne de fou. Qu'est-ce qu'il faut ça coûte une blinde, mais putain, de toute façon, la cire dépilatoire, ça coûte vraiment une blinde, donc. J'aurais besoin, disons, d'un coup de main. On pourrait trouver une solution. Ça fait mal, c'est tout, cette phrase me fait mal. Putain. Woman life be like, hein. Des paroles dignes d'un mercenaire. Voici pour toi un gage de ma gratitude. Eh, hey, c'est du travail honnête. On sera payé. D'une manière ou d'une autre. Oui, mais okay. Ils me font peur, eux. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment me taper. Hein. Mais on le prendra quand même. Ce crétin de Hansa a recommencé. Laser, ça fait très mal, surtout au visage. Du laser au visage. Ah oui, oui, remarque, pour certains endroits. Ouais, non, moi, j'ai pas besoin de visage. Monter la garde en plein soleil. Ouais, faut bien choisir son cabinet pour ce genre de truc et effectivement, ça met du temps. Enfin, ça met du temps, c'est plusieurs séances. Mais au moins, t'es tranquille de quasiment définitivement après quoi. Et ouais, c'est un truc qui me plairait bien ça. Plus jamais avoir m'arracher la peau. Ça me ferait bien plaisir. J'avoue. Oh non, je vais mourir. Bah, c'est prêt pour entendre les cris ou autre chose. On a vu le résultat juste après. Bravo à voir. Mais je sais même pas pourquoi moi j'ai engagé les mercenaires. Je les ai engagés normalement, ils viennent pas m'aider. J'aimerais bien qu'ils viennent m'aider, mais ils viennent pas m'aider. Perso, je ferais des dermatos. Truc esthétique, j'aurais zéro confiance. Franchement, moi, c'est l'inverse. En vrai, niveau arnaque, et ben, c'est des. C'est un dermato qui est. Avec qui j'ai eu une mauvaise expérience, alors qu'avec un centre esthétique, j'en ai jamais eu une mauvaise. Du coup, en vrai, et surtout vu le prix, j'aurais pas moins confiance ou plus confiance, juste. On a vu ce que ça donnait pour les machines à bronzer. Mais de base, c'est une aberration, les machines à bronzer. Tu vieillis volontairement ta peau, ça n'a pas de sens. Et tu l'abîmes. Mais la différence, c'est que si c'est. Si même les dermatos le font, bah c'est que de base, ça passe quoi, à peu près. Et en vrai je me dis, l'épilation ça m'a tellement niqué la peau que ça pourra façon pas trop être pire je pense. Ça fait le tri tout seul, les charlots ferment vite. Je sais pas hein. S'ils sont pas chers, je pense pas en vrai. La tête sera au bout d'une pique. Les charlots qui sont chers, oui. Les charlots pas chers. Démon, tu vas brûler. Oui, je sais, arrête de m'afficher un message énorme. Bon.
Bon bah les mercenaires, je sais pas où ils sont morts peut-être. J'ai pas trop suivi. Vu qu'on discutait, j'ai pas fait attention. Ah oui, ils sont morts, ils sont là. Ouais, ils étaient à chier. Hein. Bon, j'avoue, je les ai peut-être laissés trop se débrouiller solo, mais bon, ils étaient nombreux. Que Dieu te foudroie. Un travail impressionnant. On sort silence. Hein. Tu déterres quelque chose pour le calife ? Non, j'ai pas de shampoing à côté de moi. Les vestiges des empires d'autrefois m'intriguent. Quand c'est pas efficace, sa réputation est d'un vite fait. Ou peut-être. Regarde ces vieux cailloux tant que tu veux. Mais ne touche pas aux outils, ni au coffre. Oh. Ça me fait penser à une photo que j'ai prise il y a pas longtemps. Salon de coiffure pas cher, avec sur la devanture, on est pris des coupes. Et au milieu, Botox, tant d'euros. Ah oui, d'accord. Botox, tu es botoxé pendant que tu te fais faire ta frange. Il n'y a rien pour toi ici. Tu les as pas payé assez cher. Eh, ça va, hein. J'aurais donné un jeton. Moi, on me dit contente-toi de ça. Bah, eux, pareil. Rien. Je dois découvrir s'il y a d'autres coffres dans les parages. Oui, il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres. J'ai vu là pas. Ce coffre, je le sens bien parce qu'il était caché. Coffre porte la signature d'Ahmad. La nouvelle est de taille, l'artefact que tu nous as aidé à mettre à jour parmi les ruines bourdonne avec une puissance remarquable. Être à l'hôpital et travailler avec ce médecin. Mais que peut faire ? J'ai conçu un appareil afin de réparer le nœud de toute l'affaire. De le réparer. Putain, tu me laisses pas lire, tu fais chier mec. Ah, je m'en fous, je lirai pas. Voilà, tu veux pas, bah je le fais pas. T'es content ? Non, moi non plus. Je suis même pas sûr que ce soit légal de faire des injections de Botox dans un salon de coiffure. Je sais pas. Le salon peut avoir des problèmes par rapport à son. La désignation, on va dire, de son activité et tout ça. Mais en vrai, bah, je crois que le Botox, ça va. Je sais pas qui peut injecter ça, mais si la personne qui l'injecte le droit, bah, je pense qu'elle peut le faire où elle veut, non? Je sais pas. Ah, je pense pas en vrai. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je me suis jamais renseigné là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas à quoi jouer? Tu veux faire quoi? Je vais faire du Zelda, bah vas-y, fais du Zelda. Je te rejoins quand j'ai fini mon stream. Interrogez Docteur Hassan. Bah ok. Bah j'y vais. Avant, je vais aller là-bas. Voilà, parce que je peux pas le marquer. Oh, ça m'agace ça aussi. D'accord. Yalla. Médecin en cabinet obligatoire en France. Ok. Tant mieux. Déjà que c'est de la merde. En plus, c'était autorisé d'en faire n'importe où. Avoir l'élève des Bogdanov. Les Bogdanov, ils avaient pas aussi une maladie. Moi ça va, ma bouche elle me convient. Voilà. Pas besoin de... J'allais faire une formulation dégueulasse.
Alors je m'arrête là. T'sais pas quoi faire, Magnani, occupe-toi. Non, mais c'est qu'on voulait... C'est qu'en fait, quand on joue à Zelda, on y joue ensemble. Et on voulait aussi faire d'autres jeux ensemble. On a prévu un truc, mais ce sera pour plus tard. Parce qu'il va y avoir, en fait... Oui, c'est ça. Il va y avoir Il va y avoir des serveurs privés sur Sea of Thieves. Et du coup, mais c'est pas tout de suite. Mais du coup, à l'occasion... de fortes chances qu'on se fasse des petites sessions avec Royal et d'autres gens. J'aimerais bien jouer avec Booba à Sea of Thieves. Ça me plairait bien. C'est des gens du Remède, ils ont juste fait masse de chirurgie. Oh, mais c'est bizarre qu'ils en aient fait... Enfin... C'est bizarre que le résultat soit si proche au niveau chirurgie sur l'un et sur l'autre, c'est ça qui me surprend. C'est pour ça que je me suis toujours dit qu'ils avaient des... qu'ils avaient vraiment une maladie. J'ai totalement essayé de tomber Minecraft. Moi je joue plus trop, mais je sais que Royal y a joué hier et aujourd'hui je crois. Mais voilà, j'ai envie de faire autre chose. Il faut que je fasse disparaître ça. Ouais, c'est vrai que quand on abuse de la chirurgie, on a tous un peu une tête chelou, oui, c'est vrai. Eh oh, tu faut vraiment faire un effort maintenant. Basim. Petit laborieux. Petit chevaux aux mille bornes. Qu'est-ce que ça me gonfle ces jeux-là. J'aime bien les jeux de société, hein, mais les vrais jeux de société et pas des trucs comme ça. Tu vois Madonna maintenant. Franchement non. Franchement non. Je saurais pas dire quelle tête a Madonna maintenant. Effectivement elle avait les pommettes saillantes la dernière fois que je l'ai vue. Enfin je l'ai vue, on dirait que je parle de quelqu'un que je connais. La dernière fois que j'ai vu je sais pas, un clip ou un truc comme ça où elle était dedans. Mais ça date pas mal et voilà, je... En vrai, je ne saurais pas dire quelle tête a Madonna actuellement. Oh, Flocon! Je connais Flocon! À moins que ce soit un autre. Ça faisait longtemps ici. Ah oui, bah effectivement, c'est celui que je connais. Ça fait si longtemps. Il y a quelques revenants en ce moment, c'est sympa. J'espère que tu vas bien, petit Flocon. À la mort. Effectivement, c'est bien toi. Megan qui était très belle est devenue immonde avec la chirurgie. C'est qui Megan? Ça va depuis le temps? Ouais, tranquillou. J'essaie de récupérer un coffre là. Oh, on est marre. Je veux juste récupérer les coffres, j'en peux plus. En même temps, les coffres, ils me servent quasi à rien. Chérie-toi, Basim. Allez. J'ai paré pourtant. Hmm.
c'est que ce tour? Je n'échouerai pas. Ok, ok, moi non plus. Restez pas toi, Zalda. Je suis caché. Je te tiens. Oui. J'ai eu envie. Ça va, t'arrête, je me casse. Non. J'arrive pas à courir. Bon, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. On peut s'en aller. C'est quoi que ceci, c'est quel enfer? Ouais, non, mais je sais qu'il y en a quelques-unes, mais... Mais après, il y en a aussi, c'est parce que, bah... En vrai, une tête refaite par rapport à des rides... pour leur carrière, souvent, ça passe mieux une tête refaite, hein. Oui, les mecs ont moins cette pression. Enfin, il y a un peu plus le côté... charme... charme de des rides et des et charisme un petit peu chez les acteurs qui vieillissent, là où en général chez malheureusement une actrice qui vieillit, bah bon, ça fait juste moins drôle de dispo, quoi. Effectivement. Combat foireux, ouais, ça va, je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais. Alors, faut que j'aille là-bas, faut que j'aille loin. Ça va, non, c'est pas si loin, j'y vais. On y arrive. Quoi de nouveau? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Flocon, pas mal de trucs quand même. Et toi? On va avoir des vrais savoirs privés sur celle-ci ou le truc où tu gagnes rien? Bah un peu les deux en fait. C'est-à-dire que t'auras toutes les récompenses qui seront amputées, mais à côté de ça, tu pourras jouer peinard sans te faire attaquer avec tes potes. Donc un peu des deux. Salut Gostas! C'est quoi ton point de vue sur le jeu pour le moment? Je le trouve sympa! Pas exceptionnel, ça révolutionne pas le gaming, même plutôt loin de là. Le gameplay est lourdingue, mais l'exploration est sympa. Le fait qu'il soit pas ultra long avec 1000 trucs à faire, c'est cool. Et le retour à la simplicité le rend facile à appréhender pour quelqu'un qui a pas envie de s'engager dans un jeu de 125 heures, dont 100 heures de trucs à ramasser. Voilà. Salut Bibok. Mais on est sur du très classique au niveau de l'histoire et au niveau du gameplay. Voilà, il est un peu plus fastidieux peut-être que dans certains Assassin's Creed, puisque j'ai l'impression que notre personnage est beaucoup moins agile, beaucoup plus lourd. Le Bimaristan. Ça assassine, mais pas en scred. Devrait me conduire à Ahmad. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Faut que j'aille là-bas? Ahmad est peut-être au Bimaristan. C'est quoi le Bimaristan? Ah, faut que j'écoute, je crois. Faut que je les écoute. Attendez, si je me mets là, je crois... Ah non. Si je me mets là? J'ai entendu des gens en parler à l'instant. Parler d'un infirmier, machin, il faut que je trouve un médecin. Bon, je collecte un petit peu parce que j'ai un peu fait nawak pour récupérer un coffre où je sais même pas ce qu'il y avait dedans. J'ai déjà oublié, mais au moins je l'ai eu.
J'ai 21 ans, je taffe et j'ai un vrai PC. GG. Pas mal, pas mal. Quelques goal life atteints, tu peux être fier. Oh, j'avais pas vu ça. Il coûte combien? Mais je pense que c'est comme tous les Assassin's Creed à leur sortie, ça doit être 60 balles, 60 balles. Mais ce qui peut être sympa, c'est d'y jouer via le l'Ubisoft Pass, on va dire. L'Ubisoft, je sais pas comment on l'appelle exactement, mais via l'abonnement Ubisoft. Vu que c'est pas un Assassin's Creed très long, bah voilà, hein, ça peut permettre de s'amuser si on a envie de retrouver un Assassin's Creed un petit peu à l'ancienne. Sans avoir à débourser... trop de sous-sous. Donc c'est là-bas qu'il faut que j'aille. J'imagine que si la porte elle est comme ça... Mais oui, mais elle est verrouillée. Comme d'hab, hein. Ah, attends. Il faut que je trouve un moyen de... Entre interdite, sans autorisation, si nécessaire, adressez-vous à l'infirmier ou l'infirmière en chef. Mais j'ai entendu parler d'infirmière ou d'infirmier. J'ai pas vu. Ah, ding. Là-bas. J'y vais. Il y avait un corps au goût sous la pierre. Le service est rempli de victimes de l'incendie à la maison de la sagesse. On cherche visiblement des bras pour emmener le surplus de patients dans les salles disponibles. Oh. Non, je voulais pas me fondre. Je plaisantais, je voulais doute. Je baisse un petit peu les dialogues. J'ai la gorge sèche et j'ai pas mon eau. Merde. Ça va me gratouiller. C'est pas grave. Oh, c'est toi que je veux. Clé du bureau. Oh bah c'est cool. Assassin's Creed Mirage me fait penser aux deux premiers. Oui, c'est un peu le but, ouais. Plus le premier. Mais il y a de ça, tout à fait. T'as essayé l'hôpital pour trouver des infirmiers? En vrai, on est où là? On n'est pas dans un hôpital? Non. Bon. $17,99 par mois. Ah ouais, sur console. Il me semblait que c'était moins cher sur PC. Ils sont bien retranscrits des airs médicales dans le jeu. Se croire en France en 2023 quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Faut que je fouille le bureau. Cette lettre le prouve. Vénérable Al-Rabizou. Les travaux sur l'appareil progressent merveilleusement. L'ingénieur va, sans le savoir, nous fournir la clé permettant de libérer son potentiel illimité. Les nouvelles pièces que j'ai évoquées la dernière fois sont en route pour la maison de la sagesse. L'heure de l'ordre approche. Le symbole de l'ordre. Ah oui, c'est le masque. Le docteur Hassan en fait partie. Al-Rabizou. Oui, bah je prononce comme je peux, hein. La plupart du temps, j'essaie même pas de faire l'effort et je fais le blablabla. Il y a aussi des noms à rallonge. Hein. Ils sont mignons, mais je pourrais utiliser des surnoms, des pseudos un peu. Hein. Les érudits de la maison de la sagesse se sont brûlés en tentant de sauver des livres. Nous avons besoin de place pour ces patients. Non, c'est le laboratoire privé du docteur Hassan. Il est verrouillé. Personne n'a le droit d'entrer. On laisse alors les brûler dehors? Y a-t-il quelqu'un pour me répondre? Bah, t'es-le dans la flotte. Je t'en prie, de grâce, parle moins fort. Cela inquiète les patients. Le docteur Hassan. J'avoue. Et son laboratoire. Je me demande pourquoi. Nos patients vont mourir. Dis-le moins fort, s'il te plaît.
Je savais pas que j'étais pas autorisé. Allez, descends. Je te vois. Non. Je voulais pas que tu fasses ça. J'en peux plus. J'en peux plus de toi, dude. Je vais mettre la tenue qui me régène. Il y aura pas de tétons. Il y aura de la régène. Cri de mouette que t'as fait. Tu viens plus souvent toi, Bibok. Hein. Arrose-moi, madame. Je peux même pas passer. Ok. Comme sur des rollers. Je comprends ce qu'ils disent en arabe dans le jeu, ça me tue. Ouais, moi aussi. Elle a parlé de pain poilane là. Et là, il a dit Hakuna Matata. Parce que pourquoi pas. Ok. Ils m'ont pas vu. Ils ok, ils m'ont pas vu. Je suis bien caché. Je vais pouvoir changer ma tenue. Je devrais mettre celle-là en vrai, mais bon. Celle-là, il y a un téton. Je pensais que c'était lui qui avait la clé, mais non, c'est un mec plus loin. La perspective m'a trollé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Ce nuage maudit. Oh, il y en a deux. Oh, bah là, je peux les faire tous les deux. Ok. C'est un sort pour te téléporter et assassiner directement les gens. En fait, c'est un ulti. Alors, on le voit pas, mais voilà. C'est ça, c'est mes recharges. Il faut que je fasse des assassinats discrets pour pouvoir le recharger. Au début, j'avais dit bah, je l'utiliserai pas. Mais en fait, j'ai tellement de gens à buter. Que bon, voilà. Je le fais en fait. Paye pour tes péchés. Encore? Un joli coup! Oh, pardon! Je l'ai déjà vu! Merde! Une technique à terre!
Ah non non non. Non mais arrête de les viser. Merci. Oh mince. C'est-à-dire dans tous ceux que j'ai tués. Punaise, la clé en fait. Le gars qui a la clé, il est dedans. Il est dedans. Une fenêtre brisée. J'exige que l'on procède immédiatement à la réparation de la fenêtre brisée au-dessus de mon laboratoire. Les matériaux nécessaires se trouvent dans les réserves. Si je suis emporté par un coup de froid à cause de notre négligence, vous en répondrez personnellement. Bon, le calife. Ouais, c'est sûr. Ouais. Le fameux coup de froid qui t'assassine, ouais. Mytho, va. Ah oh, mais c'est parce que je joue au normal aussi, hein. On peut jouer en difficile, mais j'aurais pas envie. Et puis, bah, libre à vous de ne pas utiliser le pouvoir. Si j'avais moins de gens à tuer à la seconde, j'utiliserais moins. Ça me met vraiment flemme, hein. Je la vois à Talal. On était tous serrés lors d'une embuscade des Grecs, à l'ouest de Kinasrin. Une minute. Je vais te faire manger ta rage. Je vais t'accrocher par petits coups aux portes de la ville. Allez! Les méthodes ne sont pas en cause, seulement le mécanisme lui-même. Il faut d'autres sujets. Il me voit pas. Je n'ai pas besoin qu'un bon Arien d'inventeur se mette du grand œuvre. J'ai beaucoup de patience. Le médecin est mort. Reste à trouver Ahmad et à résoudre ce sanglant mystère. Bravo, t'as tué un médecin. T'es un héros, mec. Donc je vais purger toute la ville. Non, mais j'ai des coffres à récupérer et tout. Si je tue pas tout le monde, c'est chaud. Bassim, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Où étais-tu, Ahmad? Mais ici, je ne suis jamais très loin. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Savais-tu que cet homme faisait partie de l'ordre? Mais alors, c'est un médecin! Respecte un peu le mutant! Il m'a fait appeler il y a quelques semaines. Parti de l'ordre des médecins! Dans le désert, une sorte de mécanisme ancien. On avait besoin de moi. Et tu n'as posé aucune question. Je n'en pose jamais quand cela relève d'un travail. Le ferais-tu? J'avoue, tu poses pas beaucoup de questions non plus, mec, hein. Non, mais notre perso est pas. Parle-moi de ce mécanisme. Il ouvre une voie dans l'esprit, un chemin vers le monde antérieur. Ce mécanisme semble ouvrir, comment dire, les portes de la perception. Constaté par toi-même. Mais j'ai entendu le récit de ceux qui l'ont vu. Ils sont perdus, Bassim. Ils pensent avoir observé de leurs yeux la réalité. Et ils pensent appartenir à ce monde ancien. J'ignorais la place de l'ordre dans tout cela. Si je l'avais su, je vous aurais averti. Je me suis laissé accaparer. Tu me connais, tu sais comme je suis, Bassim. Tu vas quitter cet endroit. Comme tu es, Jude, parce que je t'ai oublié un peu. Je ne dirai pas un mot, si tu en fais autant. En vrai, je connais son visage à lui, mais j'ai oublié qui c'est. Quelle tristesse. Le savoir aboutit toujours dans de mauvaises mains. N'est-ce pas, Bassim? Ok. Moi je m'en fous, je loot. Un max de trucs. Du sang. Des pansements pour la tête. Ma foi, c'est un hôpital après tout. Bah oui, hein. Toi t'assassines des gens juste parce qu'ils font partie de l'ordre. Bon, peut-être il y avait peut-être d'autres raisons. Mais en vrai, c'était pas le moment. Il y avait plein de gens qui avaient besoin de lui. Je n'ai que faire de ces schémas. Ce fut le plus mince aperçu imaginable du domaine le plus étincelant qui soit. Sa brillance me débarrassa de mes ombres, et je sus que j'étais égoïste. Car qui étais-je pour m'approprier ce qui se trouve derrière la porte? Les ignorants trembleront devant Alrou. Mais moi, facile. Moi, facile. Je les prendrai par la main, et lentement, tel un enfant, tel des enfants entiers et du sommeil, ils se frotteront les yeux, cligneront face à la lumière, et avanceront d'un pas mal assuré vers la nouvelle aube. Oh!
Fantastique. De quoi ? Mais pourquoi vous... Qu'est-ce que vous racontez ? Pourquoi vous parlez de Jamel Debbouze, Danny Boone, Thierry Lignac ? What the fuck ? Qu'est-ce qui se passe dans le chat ? Un cornichon ? Mais de quoi ? Ça va pas, hein ? Eh, ça va pas, hein ? Bon bah, je peux m'en aller. Je dois regagner le bureau. Je me rappelle plus de son nom, t'es d'attendre. Non, c'est pas son nom, c'est... En fait, c'est plutôt... Bon, les noms, de toute façon, je les oublie tous seconde une. Mais c'est plutôt... Qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire ? Je sais qu'on a déjà vu sa tronche plusieurs fois. Enfin, il me semble. Au moins deux. Mais je ne sais plus quel rôle il avait, en fait, dans l'histoire. Je l'ai oublié dans le sens... J'ai oublié son... carrément ses actes, quoi. J'ai oublié son existence en tant que... Que personne. C'est plus qu'une face. Mais du coup, il m'en veut, je crois. Bassim ! Quoi ? Rejoins-moi sur le toit. Oui. Faltashabka salamatu fi rihlatik. Bassim. Je savais que c'était... Ils ont dit qu'il faut pas, pas casser la tête à Toufik parce qu'il fait de la tectonique. Alors, Tabid. Ce que j'ai compris. Tu as empli les rues de regards et d'espions. Telle est la vie d'un Rafik. Sans le fruit de mes connaissances. Un Rafik, pas Toufik. Le savoir est un outil, une arme. Il peut servir le bien comme le mal. Et l'ordre l'utilise à des fins néfastes. Qu'est-ce que tu as découvert ? La turpitude règne à la maison de la sagesse. On se sert d'un livre très ancien dans le but de fabriquer un appareil maléfique. J'ai entendu des rumeurs à propos de ce mécanisme impie. On l'appellera le grand... Je pourrais peut-être avoir le coffre ? Je l'avais eu ? L'ordre non, je l'avais pas des expériences sur des gens qui en meurent. Oui, bah c'est principe, quoi. C'est méfait pour l'instant. Mais quelqu'un du nom d'Al-Arabis ou tire les ficelles à la maison de la sagesse. As-tu une idée de qui pourrait être cet Arabisso ? Mes soupçons se portent sur le grand érudit, Fazil Fahim. Ce vieillard souffre d'eux ? Les indices que j'ai réunis le désignent. C'est possible. Un grand symposium doit bientôt avoir lieu à la Maison de la Sagesse. Une rencontre entre érudits. Une conférence, des rafraîchissements, des débats. Même la grande Arib y sera. Va, et observe discrètement ce Fazil. Mais ne fais pas usage de ta lame au symposium. Nous tenons à continuer à cacher notre jeu. Je promets rien. Si Fazil est coupable et isolé, joue les vipères et frappe. Mais tu dois en être certain. Bah vu qu'on me donne la plume... Je serai certain. Je pense que... On peut le tuer, hein. Cerveau dans l'ombre. C'est parti ! On va buter ! Ça change un peu. Ouais, à chaque fois que j'escalade un truc, c'est compliqué. J'escalade toujours le truc qui est à côté. Et oui, il est à main nue. Quand il fait de la tyrolienne. Parce que oui, c'est pas une petite nature. Ah, mais non, mais je voulais taille sur le truc là. Oh ! Eh bah, Sim, fais un effort. Oh ! Je sais pas pourquoi je passe par les toits. Bon, je peux y aller sans qu'on essaie de me buter, ou pas ? Oui, je peux. Normalement, je peux. Ici se tiendra le symposium. Un entretien entre les plus brillants esprits de Bagdad. Bientôt être invité chez elle. Hmm.
Assister au symposium. Ah ouais, j'ai besoin de me mettre là. Pardonne-moi, où doit avoir lieu la présentation du grand érudit? L'exposé de Fazil Fahim sur les antécédents millénaires de l'humanité va bientôt commencer. Je t'ai pas demandé l'intitulé en entier. Tu es invité à goûter un nommé délicat. Il est sorti par la bite, celui-là. Ainsi qu'à nos exquis rafraîchissements. Merci pour le follow, Big Beers QC. Merci beaucoup. Le traducteur. Très gentil. Encore ici. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Ça, on le savait. Mais c'est trop mignon. Mais pourquoi? Merci beaucoup, c'est adorable. Pardon, la présentation va bientôt commencer. C'est pas toute ma vie. Les autres invités jusqu'à ce que retentisse le gong. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Je vais changer avec les autres invités. Échangeons, invité. Tu n'aurais pas dû revenir si tôt. Ah non. J'en tremble encore. Mais je ne peux rester éloigné de mes livres. J'imagine que le devoir passe toujours avant tout. Wadahan. Oui, bon, c'était pas un échange très... Enfin, voilà. On a vu mieux niveau débat d'idées, quoi. Où est Arib al-Mamouniya, la poétesse? Je m'asseye quelque part pour les écouter. Vous avez pas un petit siège où je peux vous écouter là? Tu... Eh oh! Tu te calmes. J'espérais profiter de la fan de Squeezie là, elle se calme. Elle qui quitte si rarement la ville ronde. Celle que tous admirent dans le jardin. Ça me gratouille d'épaule. De la nature. Oh! Être une fleur entre ses doigts si sensibles et lui inspirer des vers alangués. Elle doit se sentir. C'est toi la langue. Échapper à ses riches mécènes, pour un temps du moins. Oh, qui sait? Peut-être mène-t-elle une double vie et se glisse-t-elle hors des palais pour trouver l'inspiration au sein du peuple? Ça, j'en doute. Au sein du peuple, mais qui n'est pas toi? Le coffre, j'espère que je pourrai l'avoir. Nial a trouvé quelque chose d'intéressant. Mais elle est où, Nial? Ah, c'est elle. Elle était en face de moi. Mais moi, Nial, je la sens pas du tout, je le dis souvent. En effet, oui. Et quelle est la raison de ton retour? J'ai quelque chose à te montrer. Oh. Aïe. On va faire des bébés. C'est Razer de la Maison de la Sagesse collectionne Peggy 18. Je suis déjà tout venu à fait. Ici, Nihal. Oui, on est déjà venu ici, Nihal. Moussa. Tu as fouiné partout? Non, mais j'ai déjà fouillé ici en vrai. Hein. C'était pas vraiment très secret, le truc. Bon, je suis un peu copain dans l'atelier. C'est tout? Ah, je sais même un peu comment dans l'atelier. Oui, d'accord. Et c'est... Mais vraiment, c'est que ça? Mais je suis déjà venue. Non, mais vraiment, le jeu qui me pousse à faire un truc que j'ai déjà fait. Ah, c'est ce schéma-là, peut-être. Ahmad et ses frères. Je l'avais déjà vu, non? Concevoir des appareils incroyables. Ces idées sont d'un intérêt très variable, j'en ai peur. Ne fais pas preuve d'orgueil. Le monde regorge de merveilles. Oui, mais bon, ça regorge aussi de gens qui dessinent des trucs nuls. Ça te rappelle tes cauchemars? Non. Plutôt quelque chose du Bimaristan. C'est une chachoune qui est au milieu? Un tableau d'instruction. C'est pas un zigouigoui, hein? Ah oui. Les méthodes rapides pour tuer en silence. La mort en quelques instants. On est sur de la minette, là, hein? Un dessin de minette. Il y a un indice là-bas. Oh, j'irai plus tard. Il y a 200 mètres, de toute façon. Ensuite, des schémas. Ah oui, il y en a plusieurs. Et ben, j'en ai d'autres à voir, j'imagine. Donc on va faire ceci. Ouais, celui-là. C'est quasiment le même. Tu devrais cesser de lire des histoires parlant de mages et de cités enfouies sous les dunes. Et toi, tu m'as fait peur en bleu.
Peut-être y a-t-il d'autres mondes, d'autres gens parmi les étoiles. Mais bien sûr. On a encore ? Ah non, c'est bon. Et ben, c'était vraiment pas utile, hein. Allez, là-bas, la poétesse. Arib. Il est là-haut, mon coffre. L'homme pourrait être l'un d'eux. Ah non, c'est pas elle. Mais j'en doute. On voit, on voit. Ça y est dit. C'est un honneur de faire ta connaissance. C'est un plaisir de voir de jeunes gens. Ils me regardent même pas. Ah si. Sagesse. Penses-tu que le grand érudit fera une présentation magistrale ? Ne perds pas ton temps avec ces fadaises. J'ai pour ma part rédigé des écrits bien plus édifiants et de portée plus pratique. Et sur quel sujet ? J'ai beaucoup écrit sur les cadrans solaires, les astrolabes, les étoiles et planètes, et sur la circonférence de la Terre. C'est remarquable, Sayidi. Je vais donc sans tarder tes ouvrages. Wadahan, cet astronome pourrait être l'un d'eux. Mais j'en doute. Alors que je monte, c'est ça ? Ah non, il y a personne là-haut, ok. Bah j'ai parlé à tout le monde. Non ? Regardez-moi ça, ce coffre ! Il est tellement doré. Expose dans la cour extérieure est. Ah mince, j'ai pas tout lu en entier. C'est là-bas. Oh, il trottine là! Beaucoup trop long! De loin, je croyais que le mec il était en jean. En jean et en Marcel. C'est un héros de GTA qui débarquait. Putain, je suis allé loin! Elle est où la poétesse? Bah, elle est pas là. La cour extérieure est. Bah, c'est encore plus dehors. C'est bon. Je peux de nouveau me servir de mes armes si nécessaire. Oui, non, mais le but c'est pas de tuer la poétesse. C'est juste de lui parler. Enfin, espèce de dégène. Comment ça recule ? Toi, recule ! Yo, Willy ! Qu'est-ce qu'il raconte du bolet, Willy ? Comment tu vas ? Bah ça va, mais je trouve pas le personnage de ma quête, là. Du coup, je tourne en rond, mais le truc, c'est qu'on a un perso assez lent, parce qu'on est dans une zone un peu... de non-assassinat, un peu. Dans une zone de civil. Et du coup, apparemment, elle explose dans la cour extérieure. Ah, peut-être là-bas. Peut-être sous les... Ouais, où ça? Bah non, mais y a rien, mais je comprends pas. Pourquoi le jeu il me dit toujours de faire des trucs où en fait c'est faux. Ah. Ah, c'est bon, c'est ici. Voici la poétesse qu'Ador Tabid, et dont les œuvres se trouvent dans les lieux les plus inattendus. Esprit des sables. Nous reposons sur le dos de Bam ou au-dessous. Tout ce qui nous sépare du noir. Et bam, ou en dessous. Tout sombrera. Oh, ça m'énerve. Ton chant du bon. Vu qu'elle parle en même temps, j'arrive pas à me concentrer. Du ciel et de la mer. Mais dans ton œil seul se rejoignent ces deux plans. Tu as lu mon œuvre. Mais qui es-tu, dis-moi? Un simple amateur de poésie. Et d'ordre. Ou devrais-je dire, de chaos. Je ne connais qu'un poète vivant qui aime autant le chaos. Ali ibn Muhammad. Serais-tu amateur de son œuvre grossière? La rivalité qui vous oppose est légendaire et enrichit cet art. Je ne saurais choisir. Tu es très diplomate. Mais je préfère plutôt puiser l'inspiration parmi ces jolies fleurs. Bonjour à toi. Tout ça pour ça? Mais Niel, elle a trouvé des schémas, c'est super! Elle m'a déjà tout montré! Oh, le jeu, il me fatigue, il me fait faire des allers-retours. Ah, c'est bon, le symposium, il va... Grand érudit souffrira d'un léger retard. C'est bon, j'ai rien dit, en fait, c'est bon. Profitez de nos friandises et
entretenez-vous avec les autres invités. Apportez les livres à la maison de la sagesse. Ah bon ? Faut que je fasse ça ? Ah ! Il faut rien qu'à m'embêter les gens, être partout. Mais oui, oui, je fais bien, petit Willy. Je veux pour moi ? Pas encore, non. Alors, la prochaine fois... Et pourquoi le jeu me demande d'aller lui parler ? Ça n'a aucun sens. Même là, Y pour sortir, j'ai dû le faire deux fois. C'est fastidieux. Fastidieux. Bon, bah j'ai plus rien à faire. Te mêler à la foule au rez-de-chaussée. Ah si, bon. Je vais aller dans cette pièce, je vais faire ce qu'ils veulent. J'ai compris que le jeu il veut... Ah mais j'avais pas vu celle-là. Ah il me restait un schéma que j'avais pas vu, oh là là, il m'en restait qu'un. Celui-ci. Je me rappelle l'avoir déjà vu. C'est bien ce que tu tenais à me montrer ? Oui. Cela me rappelle l'objet que nous avions trouvé au palais. Qu'est-ce que ça peut être ? Un dessin, tiré d'un livre ancien. Tu ne me dis pas tout, Bassim. Je le sens. Ne cherche pas à savoir tout ce qui se trouve derrière les portes closes. Pourquoi ? Parce que tu n'en sais rien non plus ? Parce que t'es une traîtresse ! Parce que, comme le dit Derwish, il est parfois préférable d'ignorer la vérité se trouvant derrière ce que nous devons faire. La vérité, Bassim, c'est ce qu'il y a ici, en face de toi. Mais tu refuses de la voir. Tout est lié à toi. Il en a toujours été ainsi. Depuis cette fameuse nuit. J'ai prêté serment, Nihal. Juré de quitter mon ancienne vie et d'emprunter le chemin de l'ombre. Et peut-être verras-tu un jour la lumière. Mais d'ici là, je marcherai derrière toi, tout au long du chemin, pour te rappeler de ne pas oublier qui tu es. Ça fait trop partie de l'ordre. Genre t'as pas vu la lumière, machin. Dark Basim. Dark Basim Sasuke du 91. La présentation s'apprête à commencer. Il faut que je retourne voir le caraman. Le caramel ? Oh ! C'est longtemps que je peux manger du caramel. Mais c'est chiant les bonbons au caramel, c'est trop chiant. Moi je les croque direct et j'en ai... Ça colle. Pardonne-moi. C'est chiant. La présentation de Fazil Fahim va-t-elle commencer ? En effet. Entre, je t'en prie. Oh ! La quête, la quête. Bienvenue. Ça colle aux dents de fou. Tous dans la maison de la sagesse. Moi, je prends pas mon temps à le manger. Moi, je croque direct. Hein. Et même dans le monde entier. Je suis Fazil Fahim Elkemsa, premier érudit de la maison de la sagesse, sage parmi les sages. Aujourd'hui, il s'est un méchant, lui. Infliger ce qui pourrait sonner comme d'insultants blasphèmes. Ne craignez rien, bonnes gens. Je suis âgé, certes, mais mon esprit reste affûté comme une lame. Ah mais non, 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 faut pas qu'on utilise nos armes. On doit savoir, on doit voir si il est méchant. D'une époque d'avant le et s'il faut qu'on le tue. Les anciens prophètes. Ce serait bien qu'il n'y ait pas besoin de le tuer. Pas des géants d'avant le grand flot. On pourrait partir d'un endroit sans courir. De fausses idoles. N'est-il pas possible que ces géants aient bâti des merveilles, des œuvres d'une grande puissance? Allez, Basim va décider de le tuer. Perdu. Zara et Hassan sont morts, frappés par la lame des meurtriers. Mort, tu dis? Saïdi, je t'implore de te cacher quelque temps. Acceptez nos excuses. La présentation doit prendre fin. Mais je vous invite à explorer les nombreuses salles de la maison de la sagesse. On est d'accord que Basim, il allait complètement le buter, mais sur quelle base? Il a dit, je chercherai les infos, et si j'agis, c'est que je suis sûr de moi. Mais là, c'est rien passé en vrai. Mais tu brûles les livres,
espérant que leur fumée cachera tes crimes. Combien de gens as-tu sacrifié dans ta soif de connaissance? Combien en as-tu exploité, détruit et rejeté au nom du savoir? À présent, tu te caches dans la maison de la sagesse, dont tu as dévoyé la vocation. Je vais te trouver et rendre justice à tous ceux que tu as brisés au nom de ton grand œuvre. Moi. Il voulait peut-être grind un peu d'XP. Assassiner Vasil, le grand érudit, dirigeant de l'ordre. Ah, vas-y, gna est appelé Alara Bisou. Bisou. Un vieux mot mésopotamien signifiant démon. Il se trouve qu'il s'agit de Fazil Al-Machin, le grand érudit de la Maison de la Sagesse. Au-delà de l'acquisition illicite de livres précieux, dans le but de mener des expériences impies sur des sujets humains, il est un exemple vivant de perversion du savoir. Le grand symposium l'a démasqué. Le moment est venu de frapper. Ah, c'était parce qu'il disait n'importe quoi au grand symposium. Cherchez des informations permettant de découvrir où se trouve Alara Bisou. Oh, bisous, bisous. C'est donc vrai. C'est Fazil qui dirige l'ordre à Abbas. Faudrait que j'arrête la VOD, limite. Je vais donc devoir le traquer. Oh, vas-y, j'enchaîne. Oh, vas-y, j'enchaîne. Bon, vas-y, enchaîne. Bonjour. Portier, laisse-moi passer. Ceux qui étaient là avant sont... Mais de quoi est-ce que tu parles? Ceux qui étaient là avant sont... Bon, mort. Tant pis, je vais revenir. La plus grande œuvre de Tracy. Oh. Bon, ça, c'est YouTube, plus de contenu, ouais. Plus de VOD, plus longue, toujours plus longue. Ce vieux book de Fazil. Vous aime. Faut que j'écoute. C'est passionnant. Qu'est-ce qui a pu effrayer le grand érudit selon toi? Ce vieux fou a encore dû se croire menacé par une de ces créatures antédiluviennes. Il n'a aucun honneur. Mais où a-t-il pu aller? Des rumeurs font état de souterrains sous la maison de la sagesse. Il s'y dissimule, peut-être. J'ai en effet entendu le jardinier des toits parler de tels endroits. Oui. Partout, Sarah, sauf que tu écoutes. C'est souvent comme ça dans les Assassin's Creed en vrai. Érudit, par les souterrains secrets a fui, craignant des dieux fantasques en voulant à sa vie. C'est souvent comme ça dans Assassin's Creed pour le côté un peu immersion locale, machin. On entend souvent un mélange de langues de chez nous, qu'on comprend, même si ça n'a pas de sens. Putain! Il veut que... Ah voilà, j'ai cliqué 5 fois, ça a pas voulu, putnaise. Je comprends pas pourquoi. Bref, deux langues comprises par le joueur et mélange de la langue où se passe le jeu. Voilà, c'est très souvent comme ça. Un petit peu finalement aussi, il y a une mécanique un peu proche dans le film, enfin dans la série Viking par exemple. Ou quand on est du point de vue des Anglais, on va entendre les Vikings parler une langue scandinave, je ne sais pas laquelle, je crois qu'ils sont danois, je crois. Et par contre, quand on est du point de vue des Vikings, on va entendre les Anglais parler anglais, tout ça. Quoi. Un classique, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc faut que j'écoute des gens là-haut. Là-haut. Ah non, là. Bien. Et là, j'ai quelqu'un qui parlait. Bon, allez. On parle à tout le monde, on fait tout ce qu'il faut. Pardonne-moi, mais j'ai entendu une rumeur à propos de sous-sols secrets de la Maison de la Sagesse. Des sous-sols secrets? Tu veux rire, j'espère. Loin de moi cette idée. Un édifice aussi vaste doit disposer de sous-sols et de caves, ou entreposer livres et encre. Je ne suis au fait d'aucun lieu de ce genre dans ces murs. Franchement, le gars... Il a une tronche à s'enfoncer des cure-dents dans l'urètre. Ce côté hautain, là, je le sens bien. Peut-être qu'un gage de gratitude, disons, modeste, réveillerait ta mémoire. Tu es généreux. Il a le même regard. Tumulte et incendie. Il est temps pour moi de quitter la maison de la sagesse. Ça doit faire mal. Oui, mais il y a comme ça qu'il ressent des choses, lui. Le tapis à Samara. Il a toujours souhaité que je reprenne l'affaire familiale.
Un choix avisé. Mais... et ces caves secrètes? Oh oui, bien sûr, pardonne-moi. Maintenant que tu en parles, il y a bien une trappe dans le sol de la cour du Nord-Ouest. Merci à toi. Super. Moi, je dois écouter des gens, moi. Sont les gens? Oh, ils sont là-haut. Bon, ça va. Accéder au sous-sol. Jardinier, toi, peut-être accéder au sous-sol. Écoutez, bibliothécaire désemparé. C'est bon. Je peux de nouveau me servir de mes armes si nécessaire. La fenêtre est bloquée. Attends, c'est qui dit j'ai... Essayez de l'autre côté. J'ai perdu la plus grande avant de fanim. Comment ça, tu as perdu le chef-d'œuvre du grand érudit? Pardon, je me suis laissé distraire par la présence de la célèbre poétesse Harib. Oublie ta poétesse. Si nous ne retrouvons pas le livre de Fazil, nous sommes morts. Cela ressemble au début d'une phrase codée. Ah bon? Comme surtout à un mec qui a perdu un bouquin. Entrée réservée au personnel de la maison de la sagesse. Ah ouais. Bah je m'en fous. Moi j'ai pas peur des bibliothécaires, ils vont m'attaquer avec leurs bouquins. N'as-tu pas peur? J'ai pas peur du catalogue de la redoute, j'ai pas peur. C'est l'heure de mourir. Oh, je me suis déjà fait repérer. Oh, ils sont 1000. Je m'en vais. On va faire ça mieux, on va faire ça mieux. C'est toi les films. Je me cache. Agnès va venir. Cherchez par des paroles bien creuses. D'accord. Je te tiens. Comment ça? C'est ça. Vous pouvez pas venir. Vous êtes trop nuls. Il s'enfuit. S'enfuit que dalle. C'est toi qui t'enfuis. Ah non, non, c'est pas vrai. C'est toi qui me fuis pas. Voilà, je vais faire ça mieux, je vais faire ça mieux. En l'honneur de ses nombreux accomplissements dans le domaine astronomique, le grand érudit Fazil se livrera à une lecture privée dans son dernier ouvrage d'astronomie. Nous aurons le plaisir d'offrir des rafraîchissements à l'occasion de ce charmant événement. Si tu as l'événement. Attendez. Combien de fois elle m'a sauvé et elle m'a permis de... J'avais pas vu que je l'avais. Lui, il aurait été chiant à tuer, alors c'est bien. Oh, un coffre. C'est même super bien. On dirait que quelqu'un a laissé un livre dans l'escalier. Le travail de Fazil, malgré ses insuffisances, m'a donné courage. Ah, retrouve-moi sur l'escalier. Du couloir, j'attendrai avec une de tes œuvres littéraires préférées. Mais qu'est-ce que... Non, c'est bon, c'est une mouette, c'est pas un assassin. C'est la panique! Vous paniquez comment, vous? Quelle est votre note, niveau panique? Plutôt un do? Oh, quand je fais... C'est quelle note? Pas de dièse, peut-être. J'ai de nouvelles instructions à propos des collections de livres de la bibliothèque. Ceux écrits par le grand érudit Fazil doivent, par mesure de sécurité, être conservés à part. En particulier, le titre de son ouvrage d'astronomie est employé comme mot de passe. Ah, d'accord! Boule cette note après l'avoir lu. La prochaine fois. Hein? Oh bah il est là.
Je ne dois pas me servir de mes armes ici. La folie de la poésie. De la poésie. En outre, la poésie distrait les jeunes érudits de leur devoir premier qui consiste à s'imprégner de la sagesse émanant de leur supérieur. Les élèves doivent se comporter comme des éponges. Pas comme des stupides oiseaux. Oui, bah c'est vrai que les éponges, c'est mieux. De basse-cour, passant leur temps à picorer des vers. Extrait d'un court texte mettant en doute la valeur de la poésie écrite par le grand... d'accord. Mais du coup, attends, le mot de passe, c'est quoi? Ah, j'ai pas vu. Bah j'y vais où, moi, maintenant? Je ne dois pas me servir de mes armes ici. Oh, mais je peux pas partir par cette porte. Je suis obligée de faire le tour. Mais ça ne m'arrange point. Ça ne m'arrange point de fou. Hein. C'était pas fou. Non. Éponge supérieure à oiseau, rip la moitié imite une éponge. C'est chaud. C'est passé le croc, c'est V. On joue surtout la manette. En fait. Ah, j'ai raté. Ne le laissez pas s'enfuir. On saoulait. Bon. Je ne dois pas me servir de mes armes ici. Bah, range. Range tes armes. Calme-toi, range tes armes. Sur l'ordre des érudits, accès à la bibliothèque des habitages. Faut que je lui parle. Mais non, c'est pas la quête principale, ça! Enfin, merde! Bonjour, je peux pas vous parler. Mais pourtant, j'aimerais beaucoup. Le jeu, il veut pas. Oh non, c'est bugué, merde! C'est bon. Je peux de nouveau me servir. Il est temps d'en finir. Reviens et meurs avec honneur. Ah merde, ça a pas du tout marché. J'ai tout mon temps, moi. Bon, je voulais les... Ah voilà, c'est ça que je veux. Oh là là. Ah non, faut vraiment que j'aille par là. C'est bon. Je peux de nouveau me servir de mes armes si nécessaire. Je vais tous les buter, j'en ai trop marre. Bon, j'avoue, c'est ce que je fais tout le temps, mais là, j'ai pas le choix. Attends un peu. Mais putain ! Remonte ! Oh, ça saoule. Eh, franchement. Je suis ton destin. Un sup. Il va me trouver. Quoi? Je trouverai, tu saigneras. Et pas qu'un peu. Hey, tu es à moi. Il n'avait pas le choix, il allait taper dedans. Il faut le rattraper. Oh, ils sont 1244, j'en peux plus. Super. J'arrive pas à les faire m'oublier. Juste à me mettre là de toute façon parce qu'ils viennent pas. Je ne dois pas me servir de mes armes ici. Parti. Ce quoi aura moins de chance la prochaine fois.
Bah super. Non mais pourquoi tu fais ça? Je veux juste que tu montes à ça. Une seconde. Nubir, en combattant avec l'émir de Varda en 38. J'en peux plus. J'ai pris une lance. Tu crois pouvoir te cacher encore longtemps? J'en ai échappé. J'ai mis tout un hiver à m'en remettre. Faut que j'aille où? Je sais même pas où je dois aller. Ah! Relève-toi! J'aime pas ce que je fous ici. J'aime pas où je dois aller. Je sais pas. Ah, faut peut-être que je lise ça. J'aimerais qu'il fasse ce que je lui demande. Ah pour ça. Une terrasse de lecture privée. C'est peut-être là qu'a été emporté le livre. Merci beaucoup de m'avoir permis d'accéder à la terrasse de lecture privée du Nord-Ouest. Ok. Vas-y, c'est bon. Non, ces coffres ne servent à rien. Et dire que j'avais déjà tout buté ici. Allez, on recommence du coup. Allez. Non mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Super. Nickel. Totalement ce que je voulais. C'est qui a la clé? Ça fait ding ding ding. Tourne la cam, je t'en supplie. Je sais pas qui a la clé, j'entends ding 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 comme si je voyais quelqu'un qui avait la clé, mais en fait je ne le vois pas. Un truc qu'il fallait que je fasse là-bas. Mais qu'est-ce que c'était? Oh, je vais pas reculer, hein, c'est bon. Ah zut. Une terrasse privée, je sais pas où. Ah, c'est compliqué! C'est chiant d'avoir à se refaire tout ça, surtout.
Ah, il n'y a aucune porte qui s'ouvre ici. Une fenêtre. Regardez aussi dans la bibliothèque. On l'avait déjà lu. Aucune idée d'où je dois aller. Allez, remonte. J'essaye. Hein. Je vous jure, j'essaye, j'avance. J'avance et je fais A. Je voulais pas. Quoi ? Faire ! Une minute ! Où que dois-je aller ? Oh, je vais juste aller là, je crois. Je t'en supplie, arrête de te coller à toutes les parois comme une putain d'araignée. Je t'en supplie. Me servir de mes armes ici. Je sais pas ce que je vais foutre là. Le... Voilà, ça me met des ding-ding partout, mais je sais pas ce que je vais foutre. Ding ding, Lox, oui, je sais. Je sais, mais je fais quoi, ce ding ding? Excuse-moi, elle est là, cette putain de clé. Allez! Oh, zut! Fatigue, hein. Fatigue, bâtiment. Ah, c'est qui a cette putain de V? Sois mes yeux, Enkidu. Là-bas, ok, merci Enkidu. Mine-toi. Restez sur les toits. Oui. Le travail ne manque pas ici. Et c'est plus sûr. Évitez les couloirs. Surtout depuis ce meurtre à la bibliothèque. Oh, mais qu'arrive-t-il à cet endroit ? Toujours ça se fait, hein. Bonjour, Big Bears. Ces cris de douleur me nouent les entrailles. Bonjour, faites quoi vous? Oui, il m'a en dessous de sa tête. Ah, faut que je dérobe. Cette clé, elle pourrait m'être utile. C'est lui qui avait la clé? C'est pour ça. Et le livre, il est où? Ouais, hein, j'ai ça qui me dit descends, mais sauf que bah quand je suis en bas, je trouve rien. C'est un promeneur à pichet. Son taf consiste à promener des pichets. Oh punaise. Compétence, possède des mains. Ok, si je me mets là, est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut que je fasse maintenant? Non, il me dira juste va ici. Est-ce qu'il faut que je trouve un bouquin du coup ici? Sauf que bah j'ai tout cherché en fait. Cherché, j'ai rien trouvé. Pas trop chercher en bas. Trop chercher en bas. Bon, lui, on s'en fout. Je les ai pas déjà tués, eux, vraiment. Faut que je refasse 15 fois, vraiment. J'étais déjà venu ici, j'avais déjà looté le coffre, j'avais déjà fait tant de choses ici, tout ça pour rien. Y'a un truc à looter là. Oui non mais d'accord. On s'en fout, on s'en fout. Ah c'était peut-être ça.
quoi ? Non. Attends. Je vais tirer dans la bite. Et tu te méfies des nouveaux nombres. Je sais... Oh, j'ai déjà lu ça. J'ai déjà lu la dernière fois que je suis venue. Killed by the tub. Eh ben, le livre d'astronomie de Fazil peut être sur la terrasse du côté. Mais le truc, c'est que la terrasse... J'y suis allé un peu, non? Attends, côté nord-ouest. C'est pas là d'où je viens? J'ai l'impression que c'est complètement là d'où je viens, mais bon. On va tenter. Extérieur ouest. Ah, le truc, c'est que la terrasse extérieure ouest... Je peux pas y accéder d'ici. Je peux tirer sur, pas dans. Oh non. J'ai bien visé, t'inquiète. Into the U-Water. Ouais, je l'ai dit en anglais pour que... Enfin, pseudo-anglais pour que ça ait l'air moins pire. Ok, je vais comment à cette putain de terrasse de merde. Oh, bah, allez. Nord-ouest. Ah là, on est une terrasse nord-ouest. Mais on, allez, on continue. Ça a mal se passer, Vasim. Oh, c'est ici, putain! Écrit par Fazil Fazil. Ceux qui étaient l'avant sont ceux qui reviendront. Peut-être voilà. Son chef-d'œuvre. Ah. Il a pour titre Ceux qui étaient là avant sont ceux qui reviendront. C'est bien, Basile. C'est sûrement ça. Tu sais super bien lire. C'est super ce que tu fais. Ah, il y avait une porte! J'aurais pu accéder depuis une porte! Putain, allez, je me casse. Quoi? Quelqu'un qui doit parler ici? Je peux pas sortir par là. Oui. Là non, je peux pas. Petit détour là. La ferme. Oh la ferme. Petit détour hein. Il y a sûrement un autre chemin mais bon. Ça m'aurait pris autant de temps de, d'essayer de le trouver que bah, de juste faire ça. Au moment. Non, n'aie pas peur. Bon bah je vais attendre aussi tranquille. Je vais me fondre. Je peux pas me fondre. Je si. Ne dois pas me servir de mes armes ici. C'est bon ? Il calme ? Halt ! C'est l'heure de mourir ! Ta botte. Voilà, avec lui en moins, ça devrait être un peu plus tranquille. Tout va bien, n'aie pas peur. J'ai tué des gens. Le portier. Ceux qui étaient là avant sont... Sont ceux qui reviendront. Exact. Tu peux passer. Certes, nos érudits ont besoin d'un lieu de travail propre, mais ne venez pas me déranger à propos des fadaises telles que le nettoyage, l'époussetage et les pertes de livres. Faites preuve d'initiative. Je suis occupée par mon grand œuvre. Dans les sous-sols, toute nouvelle interruption sera punie par fouet. Par le fouet. Il est où le coffre?
Où le coffre? C'est pas par là que je peux y accéder? Attendez, attendez, attendez. Il y avait une escalier. Je m'en doutais un peu. Bah non, j'ai pas l'impression en fait. Voilà, c'est par là. Le fuet, c'est du saucisson. Ouais? Tu fous ce que tu me dis? Je fasse le plein de tout ce que je peux. Dommage, j'ai pas trouvé de bouffe. Pas trop en tout cas. Je considère comme le grand érudit, n'est-ce pas? Blablabla. Bla bla bla. Généralement, le fuet, c'est pas bon. Mmh, il est kécho, Bibok. C'est bon. Je peux de nouveau me servir de mes armes si nécessaire. Cellule. Ah oui d'accord, je m'attendais pas à ça comme endroit pour étudier, mais en même temps on s'en doutait finalement un tout petit peu parce que le gonze il a quand même plein d'expérience de loup à son octu. Je voulais tirer sur le truc qui explose mais j'ai pas pu. Quoi? Trop bon le fuet. Hey. Attention, nous avons un sacré débat dans le chat là. Sacré débat. Ah, oh, fait chier, je commence à avoir une vidéo ultra longue. Peut-être pour m'enfuir ça. Je sais pas, peut-être. Personne. Jamais. Ne tentez pas. On ne manque pas de volontaires. Ré ! Ré ! Do ! J'aurais dû mettre mi pour Rémi. Fermé, au nom de Dieu. Une minute. À court de mission, ah merde, ça ne m'arrange pas. On a arraché les yeux, un par un, et avec les dents. C'était quoi ça? Fameux débat du saucisson à 4h du mat, putain il est déjà 4h. Oh, j'avais pas réalisé. Quoi? Donne-moi la force! Non! Ah! D'accord. Ah, ça hurle. Je dois être sur le bon chemin là. Orteil cognitière. Ce lieu est profondément malsain. Et ça me rappelle un autre lieu. Aucun sujet ne doit rentrer s'il ne porte pas de chasuble. Facile. Trouve ce vêtement dans la salle. Okay. Ça me rappelle en fait la au tout début, la prison du début. Qu'ont-ils pu faire à tous ces gens? Je vais me déguiser. Le pauvre homme n'en aura plus besoin. Ça va bien, petit exterminette. Qu'est-ce que tu racontes de beau? De quoi m'aider à passer inaperçu. Nickel. Tu parles... Ouais. Si t'avais le visage couvert, ça serait peut-être un chouïa mieux. Mais bon. Emploi de déguisement. Bah, il était temps que je débloque ça, moi. Mais oui, parce que je fais cette quête beaucoup trop tard, en fait.
place n'est pas ici. Qu'on amène le sujet suivant, tout de suite! Il n'y a que des horreurs ici. Mais le plus terrifiant est que j'ai déjà vu tout cela. D'une certaine manière. Qui ose interférer avec mon grand œuvre? Pas grand chose, et toi? Ouais, pareil, pareil. C'est une honte! Je suis sur une mission qui me saoule un peu parce que la bibliothèque c'est très chiant comme endroit à explorer. Friction de la ville ronde. Ou l'une de ces brutes. Je prends les escaliers, je comprends. Non, ces meurtres étaient trop raffinés pour des mercenaires. Peu importe. Lorsque j'aurai compris le fonctionnement du mécanisme, je prouverai ma valeur à Al-Bahamut. Entre là, crâne de piaf. Insulte un peu chelou, mais ok. Se fondre. Je me fonds. Cinématique. Tu es nouveau, non? Je ne te reconnais pas. On t'a promis de l'or quand tu t'es porté volontaire, n'est-ce pas? Peu importe, ce que tu es sur le point de voir surpasse toutes les richesses terrestres. N'aie pas peur. As-tu peur? Et stressons. Stargate. Ceci est mon grand œuvre. Je l'appelle Al-Rua. Il va t'emmener en voyage. Un voyage dans un autre monde. Ah mais c'est littéralement le Stargate. Pourquoi les premiers venus ont laissé un monde peuplé d'idiots et de si peu de gens comme moi? C'est le Stargate. Ce lieu, la maison de la sagesse, mais ses fondations sont bancales. Car sous la maison de la sagesse se trouve l'oubliette de l'ignorance. Et c'est sur ces obscurs secrets que nous édifions nos philosophies. La science est l'ambition la plus noble. Le savoir, le plus grand des pouvoirs. Non. Non ? Quoi alors ? Ah! Pardon! J'attendais un truc. Ça en fait. J'attendais ça en fait. La justice. Justice. C'est peut-être l'endroit. C'est peut-être ici que repose le savoir absolu. Ça ne ressemble pas à mon souvenir. Derrière les portes, tout paraissait comme plus brillant. Mais à la fin, nous ne voyons que les ténèbres. Il laisse attendre de réponse une ou deux minutes. C'est vrai. Que je sorte d'ici, que je retourne voir ta ville. Oui, nous devons me dépêcher, évidemment. Je suis même pas poursuivi. Je loute un peu sur le passage. Les notes de l'érudit. Il croit en ces êtres anciens. Les maîtres de la mémoire. Oh,
pour une fois, je m'enfuis normalement. Presque. Incroyable! Bon, j'ai toujours pas eu le coffre, mais... Ah, putain. Bon. Bah, ça va être l'occasion de terminer la VOD qui dure beaucoup trop longtemps. Sauf s'il se passe un truc juste après mon TP. Il se passe un truc. Comment as-tu découvert cet endroit? Facile. Il m'a suffi de suivre les traces de sang. Tu n'as rien à faire ici. Est-ce que tu lui parles à lui? Parfois. Oui. Mais il ne répond pas. Moi, si. Nous nous sommes éloignés depuis... Depuis ce jour. Depuis le jour où, à cause de toi, il y a des gosses qui sont morts. Cette lumière, ces sons, tu ne peux pas les avoir oubliés. Contrairement à toi, Nihal, je laisse le passé là où il est. Parce que pour toi, hier, c'est le passé. Et ton djinn, cette ombre repoussante qui te brise. Tu vois les traces de sang, elle te connaît bien, Locke. Tu l'as laissé dans le passé, toi aussi. J'ai fait ce que j'ai pu. Non. Il est toujours là. Parfois, même pendant la journée, je sens son souffle sur ma nuque. Le cauchemar se vit dans le monde réel. À moins qu'il en ait toujours fait partie. C'est une part de ta réalité, Basim. Moi aussi, je suis une part de ta réalité. Je suis ton passé. Dis-moi, vas-tu me laisser là-bas, dans les sombres recoins de ta mémoire? Franchement, j'ai pas confiance en toi. Ah, il m'est sorti par la non, bite, celui-là. Merci, Paracas. Bienvenue. En revanche, si tu pouvais inventer un batteur de tapis mécanique... Basim. La chose est faite. Et comment cela s'est... Batteur de tapis mécanique? Je crains que cette histoire doive attendre un autre jour. Gardons-la pour un prochain feu de camp. Tu as bien agi, mon ami. Je vais me remettre au travail. Tu sais que j'ai tendance à m'ennuyer. Merci pour ce que tu as fait. C'est la vérité. Il cligne des yeux trop lentement. Tu as bien agi. Une dernière chose. Arib, était-elle impliquée? Pas à ma connaissance. Mais nous devons rester vigilants. Ah. On va avoir encore une cinématique. Ah mince! C'est le djinn! Est-ce que je suis censée voir un truc? Ah, quand même! Du calme, Basim. Je suis là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Où on est? On est de retour dans le passé. Basim, Tamahal. Je ne peux plus les faire attendre. Le savent-ils seulement, tes compagnons, que leur chasseur devient une proie dans son sommeil? Si encore j'arrivais à le contenir dans mes cauchemars. Mais il m'a suivi quand j'ai quitté Anbar. Et maintenant... C'est juste un dégène, mec. Ceux du palais. Avec les masques. Quatre sont morts de mes mains. Le dernier, la tête du serpent, va bientôt les rejoindre. Pardon, j'ai un truc avec qui j'embête le micro. Quoi? Et je le nettoie en même temps. Du coup, si vous entendez des bruits, c'est normal. Sommeil. Ce n'est qu'après avoir mis la main dans ce coffre qu'il t'a harcelé le jour. Les porteurs de masques tenaient à son contenu. Cet objet ancien qui s'est éveillé à ton contact. Je vais répondre à ta question, Paracas. Désolé, j'attendais juste que les PNJ se taisent. Je ne prends pas le thé avec eux. J'ai prêté serment, Nihal. Comment peut-on être chasseur lorsqu'on est soi-même chassé? Si tu arpentais les ombres, l'esprit libre, bah, tu c'est pas incompatible, hein. Ma lame épargne la chair de l'innocent, pas celle des membres de l'ordre des anciens. Si tu ne souhaites pas questionner tes ennemis, demande à tes amis ce que contenait le coffre et pourquoi ils voulaient l'avoir.
bon. Allez. Un bisou, la VOD.